voilà, donc j'ai écrit au tableau à la fois le plan général du cours, le plan d'aujourd'hui. Donc la dernière fois, on a énoncé un certain nombre de choses, en particulier ces deux théorèmes, hein, dont on avait laissé les démonstrations en suspens. Donc le cours d'aujourd'hui a pour objet de donner les démonstrations de ces deux théorèmes. Donc la dernière fois, on avait vu dans le paragraphe 3 que ces deux théorèmes avaient évidemment des conséquences pour les motifs, mais ce sont des théorèmes de théorie des catégories, et aujourd'hui, on sera entièrement dans le contexte de la théorie des catégories, et plus précisément de la logique catégorique, avec des notions associées qu'on va voir, que je vais introduire, parce que en général, elles ne sont pas connues des géomètres algébristes. Et puis, j'annonce tout de suite que la prochaine fois, donc la semaine prochaine, qui sera le dernier cours, donc je présenterai quelques questions qui se posent à la suite de ce travail. Pour ces questions, on va revenir vers la géométrie algébrique. Voilà. Donc d'abord le premier paragraphe où donc je veux préciser des notions de logique dont on a besoin, qu'on a déjà introduites en partie la dernière fois, et en particulier la distinction fondamentale entre syntaxe et sémantique. On va commencer par la syntaxe, c'est-à-dire la notion de théorie. Une théorie consiste toujours en un langage, alors les logiciens disaient une signature, et des axiomes. On va d'abord introduire la notion de signature. Une signature. Donc ça signifie langage du premier ordre. Tout ce qu'on considère ici est du premier ordre. Un tel langage consiste en trois types possibles d'objets. Donc d'abord ce qu'on appelle des sortes. Alors, il faut comprendre que ce sont des noms d'objets. Par exemple, si vous voulez introduire la théorie des groupes, vous allez dire soit j'ai un groupe, donc c'est un nom d'objet. Des symboles de fonction. Il faut comprendre que ça signifie des noms de flèches. Des noms de morphismes. Plus précisément, on va le voir un peu plus tard quand on va interpréter ces choses, mais les symboles de fonction portent toujours d'une famille finie de sortes, donc 1 à n, vers une autre sorte, b, et il peut se produire qu'au départ, il n'y ait aucune sorte. Donc dans ce cas-là, on parle de symboles de constante. Hein, par exemple, si on veut définir l'élément neutre dans un groupe, hein, donc ça va être donné par un symbole de constante. Donc ceci va devenir plus clair quand ensuite on va parler de la sémantique. Mais il faut commencer par la syntaxe. Le troisième type d'objet, dont on n'avait pas eu besoin la dernière fois quand on avait introduit la théorie régulière d'une représentation T. La notion de symbole de relation. Il faut comprendre que ce sont des noms de sous-objets dans des produits. Quand je dis produit, j'entends toujours produit fini, hein. Dans des produits finis d'objets nommés par des sortes. Hein, par exemple, si vous voulez définir la notion de relation d'ordre ou de relation d'équivalence. Voilà, c'est des cas particuliers de relations. Donc maintenant, les signatures, souvent, on les dénotera comme ça, par un sigma majuscule.
Et alors, quand on a une signature, c'est-à-dire un langage, on peut définir à partir de lui, on peut commencer à former dans ce langage des mots, des phrases. Normalement, dans le texte habituel, il y a dans le langage des symboles logiques, des opérations comme disjonction ou implication, oui, des parenthèses, oui. Quantificateurs. Donc, oui, donc d'accord, mais donc ceci est donc enfin c'est en quelque sorte un métalangage qu'on va utiliser pour former à partir de ce langage donc les différentes formules que je vais introduire ici. Les quantificateurs vont apparaître ici. Alors, donc on est dans une signature donnée. Et alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle les termes de la signature sigma. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des familles finies de variables. Alors, qu'on note comme ça, x avec une flèche au-dessus, flèche pour dire qu'il y en a plusieurs. Et chaque variable étant associée à une sorte. Hein, et bien sûr, on peut avoir plusieurs variables associées à la même sorte. Voilà, donc famille finie de variables, associées chacune à une sorte, et de symboles de fonctions, hein, donc des choses comme ça, ou de composés de tels symboles, hein, parce qu'on a le droit de substituer, portant sur ces variables. Hein, donc, si par exemple vous avez un symbole de fonction comme ça, puis des variables x, x1, xn, avec les sortes associées à 1 à n, bah, vous pouvez former le terme f de x1, xn. Et puis, par exemple, vous pouvez remplacer l'un des xi par une fonction à valeur dans la sorte associée à la variable xi. Voilà, donc ce sont les termes. Ensuite, après les termes, il y a les formules atomiques. Donc elles sont constituées à partir des termes. Constituées à partir des termes, en s'autorisant à substituer ceci dans des symboles de relation. Hein, voyez que dans les termes, les symboles de relation n'apparaissaient pas, uniquement les symboles de fonction. Dans les formules atomiques, vous vous autorisez, vous considérez les symboles de relation et vous vous autorisez à substituer dedans des symboles de fonction. Voilà, donc dans des symboles de relation de sigma, hein, donc ceux qui ont été introduits là, ou dans la relation d'égalité entre termes, entre variables. Par exemple, si vous avez deux fonctions f et f', qui vont vers la même sorte, eh bien, f égale f' est une formule atomique dans le langage sigma. Et on peut avoir des variables différentes d'un chaque côté ou... Oui. Oui, oui. L'important, évidemment, si on a une relation d'égalité, il faut qu'on aille vers la même sorte. Mais en revanche, au départ, on peut avoir des choses différentes. Mais quand on écrit ça, est-ce qu'il y a un certain un suite de variables qu'on peut utiliser ? Oui, donc ça, on va le voir, mais un peu plus tard. Hein, disons, pour le moment, voyez, donc ici j'ai un stock, en quelque sorte un stock infini de variables dans lesquelles je peux puiser
pour écrire mes formules. Hein, mais ensuite, on va voir ce qu'on appelle un contexte dans lequel on peut écrire une formule. Voilà, donc ensuite, il y a la notion de formule régulière. Donc ça, on l'avait vu la dernière fois. Donc toujours dans le langage sigma. Donc elles sont déduites des formules atomiques. En ajoutant d'abord, on s'autorise on ajoute ça, qui est le symbole du vrai, qu'on voit pour le moment sans variable libre. On s'autorise aussi à former des conjonctions finitaires. Et on s'autorise à utiliser le quantificateur existentiel en une partie des variables. Voilà, donc à partir des formules atomiques, on peut former comme ça des choses plus complexes en utilisant le symbole du vrai, les conjonctions et le quantificateur existentiel portant sur une partie des variables. Et ensuite, quand on va interpréter, bien sûr, ça correspondra à une projection. Alors, ensuite, il y a la notion de formule géométrique. Alors, déduite des formules régulières. En autorisant des combinaisons, avec d'abord la formule du faux. On introduit ici la formule du faux. Et ici, on autorise aussi des disjonctions infinitaires. Hein, donc, souvenir que ici, dans la notion de formule régulière, on a le droit qu'à des conjonctions finitaires, alors que là, dans la notion de formule géométrique, on a le droit à des disjonctions infinitaires, qui peuvent elles-mêmes, vous voyez, vous avez des disjonctions infinitaires portant sur des formules géométriques. Sur des formules régulières. Donc, dans les formules régulières elles-mêmes, vous pouvez déjà avoir des conjonctions finitaires. Bon, puis la dernière notion que je voudrais introduire, c'est celle de formule du premier ordre. Donc, est-ce qu'après avoir fait la disjonction infinitaire, on peut continuer à faire les opérations précédentes comme... Non, c'est vraiment dans cet ordre-là. C'est-à-dire, vous avez le droit de former des disjonctions infinitaires, deux conjonctions finitaires, mais vous n'avez pas le droit de former des conjonctions de disjonctions. Ok. Et dans la définition des formules régulières, est-ce qu'on a le droit de répéter comme on veut les opérations comme on peut ? Oui, on peut répéter autant de fois qu'on veut. Voilà. Hein, simplement, il y a un ordre, c'est-à-dire que l'ordre, la distinction, elle est là. Hein, c'est-à-dire on forme d'abord les conjonctions et ensuite les disjonctions. Mais en revanche, les conjonctions et le quantificateur existentiel, par exemple, on peut répéter l'une ou l'autre opération autant de fois qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, pourvu que ça soit fini. Voilà. Hein, je pense que ça... Ça porte sur un ensemble V de variables. Oui, pour le moment. Mais ensuite, donc je vais introduire la notion de infinitaire en n'importe quel cardinal. Oui. Et donc on n'a pas la formule vraie pour un ensemble non V de variables ou... Si, parce que donc il y a également ensuite on va introduire la notion de contexte. Hein, donc un contexte, c'est disons que ensuite quand on introduit la notion de séquence, donc ce que je vais faire après,
Donc un sécant, ça consiste toujours en une implication entre formules, et les formules sont vues dans un certain contexte. Donc ce contexte consistant à un nombre fini de variables, et les formules sont en un certain nombre de variables libres contenues dans le contexte. Mais il peut y avoir plus de variables dans le contexte qu'il n'en apparaît dans les formules. Autrement dit, implicitement, on s'autorise à faire des projections, à composer avec des projections. Donc en particulier, bon, ici, la formule du vrai ou du faux, on les voit comme sans variables libres, mais ensuite, on va pouvoir les considérer dans un contexte plus large. Voilà, donc les formules du premier ordre, et ici je vais dire, je vais même prendre en fait du premier ordre infinitaire. Alors elles sont déduites des formules atomiques par combinaison arbitraire. Avec la formule du vrai, la formule du faux, les conjonctions finitaires ou infinitaires, les disjonctions finitaires ou infinitaires, le quantificateur existentiel, l'implication, le quantificateur universel, hein, on s'autorise à l'utiliser aussi. Et enfin, le passage aux négations. C'est-à-dire, si j'ai une formule, la remplacer par la négation de cette formule. Hein, donc ça, c'est la négation de la formule phi. Voilà, donc c'est toutes les opérations qu'on s'autorise à faire à partir des formules atomiques. Ah, ici, bon, je choisis même de prendre des conjonctions et de s'autoriser des conjonctions et disjonctions infinitaires. Hein, donc vous voyez que c'est beaucoup plus large que les notions précédentes de formules régulières ou de formules géométriques. Voilà, et puis enfin, il y a la notion de contexte pour de telles formules. Donc qu'est-ce que c'est qu'un contexte? Ce sont des familles finies de variables donc x qui comprennent les variables libres des formules considérées. So in the formation of the infinitary formulas, oui. Do you allow to use in total a finite number of variables, or can you just form each formula with so you do you, I mean, it's not clear whether you can form an infinitary operations with different sets of variables, because you can, for example, non, donc, si on a eliminated using quantifiers, so you will not see them in the output. D'accord, donc c'est toujours dans le contexte d'un nombre fini de variables. Vous voyez ici, quand j'écris contexte de telle formule, c'est des familles finies de variables qui comprennent les variables libres des formules considérées. Non, mais dans les non-free variables, vous pouvez imaginer que vous permettez d'utiliser beaucoup de non-free variables. Par exemple, vous pouvez avoir un gars qui dit qu'il existe. Oui, l'existence, donc effectivement, donc ceci est autorisé. Ceci est autorisé. Ceci est autorisé. Hein, ce qui doit être fini, c'est les variables libres. So you can use an infinite number of sorts in the interior of oui. The stuff. Oui, on peut y avoir une infinité de sortes. D'ailleurs, en fait, pour l'application qu'on avait donnée la dernière fois, la théorie régulière d'un functeur cohomologique, il y a une infinité de sortes. Alors, pardon? Les variables liées n'existent pas, proprement. Non, ce qui existe, c'est on peut former le quantificateur existentiel portant sur des variables supplémentaires qu'on ajoute. Oui, voilà. Ce que je dis, en fait, voilà. Elle n'existe pas. Oui, oui. But each time you form an infinitary disjunction or conjunction, those things are in the set of variables which is finite. That is, you can't
do it with things ranging over sets of variables whose union is infinite. This is not allowed, I suppose. It doesn't seem to make sense because then it's a property of an infinite sequence, but maybe, you, I don't know. Oh, okay. Là, je ne vous suis plus. Mais bon, je... voilà, enfin, j'ai écrit cette définition. Le... Alors ensuite, donc, on peut introduire la notion de théorie. Hein, donc on est toujours dans la syntaxe. Donc c'est définition... non, d'abord, définition 3. Donc on est toujours dans le contexte d'une signature du premier ordre. Alors, ce qu'on appelle séquent, c'est une implication qu'on note comme ça entre deux formules dans un certain contexte. Donc on le note toujours comme ceci. Hein, donc ici vous avez phi et psi deux formules du premier ordre au sens qu'on a dit dans le contexte d'un nombre fini de variables x. Et quelle est la différence entre ça et le signe d'implication que tu avais écrit à tantôt? Ah bah le, donc on va le voir, c'est que le signe d'implication qu'on a écrit avant, c'est quelque chose qui est interne au langage, et que donc on va pouvoir interpréter dans les catégories. Donc ça va apparaître, on va voir que c'est-à-dire la différence d'interprétation entre les deux est très grande. Hein, c'est deux choses qui ne s'interprètent pas du tout de la même façon. Hein, mais c'est important, voilà, donc ceci c'est du métalangage, autrement dit c'est, en un sens c'est extérieur à sigma, alors que là, le signe d'implication qu'on autorise dans les formules du premier ordre est quelque chose d'intérieur. C'est le langage interne. Voilà, mais ça va devenir plus clair quand on fait la sémantique de ça. Voilà, donc un séquent, c'est donc une telle implication entre formules du premier ordre. Et puis, évidemment, on dispose des notions particulières de séquents réguliers. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'un séquent est régulier? Eh bien, ça veut dire que les deux formules impliquées sont régulières. Hein, donc la dernière fois, c'est la notion qu'on avait utilisée. Puis on a aussi la notion de séquent géométrique. Donc ça veut dire que les deux formules considérées sont géométriques au sens ci-dessus. Hein, donc voilà. Et alors, une fois qu'on a la notion de séquent, ben, on peut définir la notion de théorie du premier ordre. Donc, une théorie du premier ordre consiste en deux choses. Donc, une signature, un langage, plus un ensemble de séquents. Appelés les axiomes de la théorie. Hein, c'est-à-dire qu'on demande un certain nombre d'implications entre formules, hein, sachant que dans les implications entre formules, vous avez aussi un cas particulier, c'est de déclarer qu'une formule est vraie ou fausse. Hein, quand vous dites le vrai implique phi, ça veut dire que phi est vrai. D'accord. Hein? Quand on met perpendiculaire... verticale et puis celle-là, ça veut dire que le truc est toujours vrai, quoi. Oui, bah si on met de toute façon le faux implique n'importe quoi, donc ça, mais si on met le vrai et puis ça veut dire que ce qui est à droite est toujours vrai. Voilà, exactement. Voilà, on impose que la formule soit vérifiée. Voilà. Donc là, voilà. Donc ça, c'est la notion de théorie du premier ordre. Et puis bien sûr, il y a les sous-notions de théorie régulière ou de théorie géométrique. Donc qu'est-ce que c'est qu'une théorie régulière? C'est une théorie dont tous les axiomes sont des séquents réguliers. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie géométrique? C'est une théorie dont tous les axiomes sont des séquents géométriques. Hein, donc ici, on demande que les séquents soient réguliers, et ici qu'ils soient géométriques. Hein, donc c'est des formes plus particulières de théorie. On demande que les axiomes de la théorie aient une certaine forme. Voilà, donc là, en fait, on a
on a terminé avec la syntaxe. Et maintenant, on peut passer à la sémantique, c'est-à-dire à l'interprétation. Oui ? Je vais te poser une question. Est-ce que tu pourrais donner deux, trois exemples où on voit des choses qui sont régulières, qui sont géométriques ou qui ne le sont pas ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, simples de théories qui ne soient pas du premier ordre ? Qu'il ne soit pas du premier ordre, du premier ordre, ça veut dire que les axiomes portent uniquement sur des éléments des objets. On n'a pas d'axiomes qui portent sur des collections de sous-ensembles d'un ensemble donné. La théorie de Hilbert, elle est du premier ordre ou pas ? Pardon ? La théorie des espaces de Hilbert, elle est du premier ordre ou pas ? Non, elle n'est pas du premier ordre. Parce... Ce qu'ils ont complet, tu veux dire ? Oui, voilà. Voilà. Hein ? Donc typiquement, les théories algébriques sont du premier ordre. De même, les théories de structures ordonnées sont du premier ordre. Et parmi ces théories-là, parmi les théories du premier ordre, est-ce qu'on peut voir des exemples qui soient pas géométriques, par exemple, qui soient... C'est-à-dire dans lequel en fait tu as l'intersection infinie, quoi, au lieu d'avoir. Il y a un résultat pas complètement trivial qui dit que toute théorie du premier ordre est une théorie géométrique qui a les mêmes modèles. Ce qu'on appelle la morléisation d'une théorie. Quand on a une théorie du premier ordre, il y a une manière canonique de lui associer une théorie géométrique qui a les mêmes modèles ensemblistes. D'accord, donc de la réexprimer sous une forme qui soit géométrique. Oui, d'accord. Donc, ayant introduit la syntaxe, je vais maintenant passer à la sémantique. D'abord, faut introduire la notion de sigma structure. Donc, on est dans une certaine signature sigma, et on considère maintenant, on va interpréter les choses dans une certaine catégorie. C'est qui possède des produits finis. Hein, c'est la seule hypothèse pour le moment qu'on fait sur cette catégorie. Qu'elle admet des produits finis, en particulier, elle admet un objet final. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sigma structure dans C ? Eh bien, c'est une manière d'interpréter les symboles qui définissent la signature sigma. C'est-à-dire, la signature sigma consiste en des noms. Et justement, ces noms vont nous permettre de nommer des objets dans la catégorie C. Alors, formellement, ça consiste d'abord en plusieurs fonctions. La première fonction, ça consiste à associer à toutes sortes A de sigma un objet. Donc ceci, c'est un objet de la catégorie C. Vous voyez qu'on nomme des objets de la catégorie au moyen de notre collection de noms d'objets. Ensuite, il y a une deuxième fonction qui consiste à associer à tout symbole de fonction. Quand j'ai un symbole de fonction comme ça, je lui associe... une flèche. Alors, cette flèche, qu'est-ce que je fais ? Je considère les objets qui ont été nommés au moyen des sortes A1, AN, et l'objet qui a été nommé au moyen de la sorte B. Et ce que je forme, c'est une flèche de la catégorie qui va du produit de ces objets dans cet objet-là. Hein, donc... Une sigma structure, ça va être donc une collection d'objets arbitraires nommés par les sortes, avec une collection de flèches comme ça, allant des produits de ces objets vers les objets, et nommés par les noms de flèches qu'on a choisis. Et puis enfin, il y a les symboles de relation, hein, donc c'est une troisième fonction. Quand j'ai un symbole de relation, donc connoté comme ça,
voyez, c'est-à-dire un nom de sous-objet dans une collection A1, AN de sorte, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est donc une fonction qui, à toute telle relation, associe un sous-objet MR du produit des objets nommés par A1, A2 et AN. Qu'est-ce que ça veut dire sous-objet dans une catégorie? Ah, oui, donc là, effectivement, j'ai oublié une chose, c'est que... non, mais ça a un sens parce qu'il y a une notion de monomorphisme, ça veut dire simplement un monomorphisme, c'est tout. Arrivé à ce stade-là, il n'y a pas autre chose que ça, hein, pour le moment, voilà. La définition des formules, maintenant j'ai regardé dans la définition de la formule de type différent, oui. Vous n'avez pas discuté, il me semble, les relations, alors ça intervient où, dans les formations ? Si, les relations, ça intervient dès les formules atomiques. Donc, les formules atomiques, vous avez dit que c'est F égale F' entre formules régulières. Oui, par exemple, mais on peut également substituer, on peut, d'abord, les formules, les relations elles-mêmes sont des formules atomiques, et en plus, on s'autorise à substituer dans les relations des symboles de fonctions, éventuellement composés entre eux. Tout ceci forme ce qu'on appelle les formules atomiques. Ah, c'est pas seulement F égale F prime, mais aussi... Non, c'est aussi, il y a les relations d'égalité, et puis il y a également les relations qui font partie les symboles de relations de la signature sigma. Voilà, donc ça c'est la notion de sigma structure, hein, donc voilà, c'est simplement la possibilité de nommer... donc par exemple, si on a la théorie des groupes, ben, ça a un sens de parler d'objets en groupe la catégorie des espaces topologiques, enfin n'importe quelle catégorie dans laquelle il y a une notion de produit. Hein. Quand on a un symbole de constante, c'est-à-dire qu'ici n égale 0, ce qui remplace ici ce produit, c'est l'objet final de la catégorie. Non, on a supposé en particulier qu'il y a un objet final dans la catégorie. Alors, maintenant, quand vous avez une catégorie C, vous pouvez considérer toutes les sigma structures de C, et ça vous définit une catégorie. Hein, toutes les sigma structures de C, pour un sigma donné, forment une catégorie. Et puis, vous pouvez aussi remarquer que si vous avez deux catégories relié par un foncteur qui commute à la formation des produits, eh bien, ceci définit un foncteur qui va de la catégorie des sigma structures de C vers la catégorie des sigma structures de D. Voilà. Alors, la flèche dans cette catégorie de sigma structures sur C. Donc, je me donne une structure, une sigma structure. Oui. Ben, ça va être ça va consister en une collection de flèches entre les objets nommés par les symboles, par les sortes et par les symboles de relation. Donc, une collection de flèches. Et je veux que tous les diagrammes soient commutatifs. C'est plutôt un ensemble, non? C'est... Ça a l'air d'une transformation naturelle plutôt qu'une catégorie. Oui. Non, il faut faire attention parce que le sigma, les sortes, les symboles de fonction, les symboles de relation, tout ça forme un ensemble. Je veux dire qu'il n'y a pas de... C'est une vraie catégorie. Mais c'est une catégorie discrète. Ça veut dire qu'il n'y a pas de flèches qui sont par isomorphisme entre elles. Non, hein? Pourquoi? Ah, excuse-moi. Bon, je pense que... Voilà. ok. Alors, bon, voyez que déjà, avec la notion de sigma structure, donc on a une interprétation pour les sortes, c'est-à-dire pour les noms d'objets, pour les noms de fonctions, pour les symboles de relations. Et bien sûr, on a également une interprétation quand on compose
les symboles de fonction les uns avec les autres. Hein, on peut composer, donc ça veut dire que les termes, au sens qu'on a dit tout à l'heure, s'interprètent également dans une sigma structure, hein, simplement par composition. Alors, maintenant, bien sûr, on veut pouvoir interpréter les différents types de formules qu'on a introduites. Hein, on veut interpréter dans une sigma structure les différents types de formules qu'on a introduites. Alors, pour que ça soit possible, il va falloir demander aux catégories qu'on considère de vérifier des propriétés supplémentaires. Hein, donc ça va être la définition suivante. Voilà, donc on considère les sigma structures à valeur dans une catégorie C. Et puis, maintenant, on veut interpréter les divers procédés de construction de formules qu'on a introduits. Et vous allez voir immédiatement qu'est-ce qu'il faut demander à ces catégories C pour que ça ait un sens. Alors, d'abord, il y a les substitutions de termes dans des relations. Hein, donc ça, c'est ce qui permet de former les formules atomiques. Et ça, comment ça s'interprète ? Ça s'interprète comme des images réciproques de sous-objets. Voilà, il faut supposer que ça existe. Ensuite, il y a la formule du vrai dans un contexte, dans le contexte d'un... Encore une fois, on s'autorise à des contextes qui peuvent être beaucoup plus grands. Donc la formule du vrai n'a pas de variable libre, mais on peut la considérer dans un contexte arbitraire. Donc on a un contexte ici avec donc une famille finie de variables associées à des sortes A1, AN. Bon, comment interpréter ça ? Eh bien, il faut l'interpréter dans le produit des objets associés, et le vrai, c'est le sous-objet total. D'accord ? Hein, maintenant, il y a la formule du faux. C'est le contraire, c'est le sous-objet initial que vous pouvez appeler le vide, si vous voulez. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait un sous-objet initial. Mais est-ce que l'image inverse réciproque de ça est de faux et faux, donc l'objet initial, il ne part qu'une et une seule flèche de l'objet initial vers n'importe quel objet. Oui, mais il dit dans le sens inverse. Non, initial comme sous-objet. Here we think about like the empty subset, so the pullback of the empty subset is empty. But we are doing it in categories. So it's, if you have the initial sub-object, it's not clear that its pullback is, maybe it could be bigger than the initial sub, I'm not sure. C'est vrai, non, parce que effectivement ton objet initial pourrait être aussi final comme dans les catégories, comme dans les probabilités. No, just the sub-objects of any guy as an initial object. But I'm saying it's not clear that the intuitive. Non, parce que on demande pas que l'image réciproque d'un objet initial soit l'objet du sous-objet initial soit le sous-objet initial. On demande pas ça. Non. Donc on n'a pas les règles. On n'a pas dans la logique en question, dans les règles de la logique, les faux. Intuitivement, les faux. Donc, si vous faites une substitution. Dans un topos, effectivement, ça se passe pas comme ça, mais pas dans une catégorie quelconque. Non, bien sûr, pas dans une catégorie. Dans un topos. Bon. Ensuite, donc, il y a les conjonctions. Donc, les finitaires ou infinitaires. Là, on va les interpréter comme des intersections de sous-objets.
intersections de sous-objets. Ensuite, il y a les disjonctions finitaires ou infinitaires. On les interprète comme des réunions de sous-objets. Donc on suppose que ça existe. Absolument. Chaque fois, là, on voit de quelles hypothèses on a besoin sur les catégories pour que ceci ait un sens. Hein, ensuite, on va définir des types plus particuliers de théoriques dans lesquels on peut interpréter les formules régulières ou les formules géométriques ou les formules du premier ordre de manière générale. Alors, ensuite, il y a le quantificateur existentiel. Son interprétation, c'est l'image par projection sur un sous-produit. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui est défini sur un produit, un sous-objet d'un produit, d'un certain nombre de facteurs, et vous considérez la projection sur un sous-produit, vous prenez son image. Alors, bien sûr, il faut que les images existent dans la catégorie. Ensuite, il y a le quantificateur universel. Donc là, celui-ci, il est un peu plus compliqué, mais on peut quand même l'interpréter. Je vais le dire ce que c'est. Donc c'est l'image par le foncteur adjoint à droite du foncteur d'image réciproque sur les sous-objets d'un sous-produit. C'est-à-dire, ce que vous considérez, c'est une projection d'un produit sur un sous-produit. Donc, vous avez un foncteur qui va des sous-objets de ce sous-produit vers les sous-objets du gros produit. Et alors, ce que vous demandez, c'est que ce foncteur-là est un foncteur adjoint à droite. Et quand il existe, c'est comme ça qu'on interprète le quantificateur universel, portant sur donc une partie des variables. Bon, ensuite, il y a l'implication. Qu'est-ce que c'est que l'implication? Vous avez deux sous-objets, A1 et A2, deux sous-objets d'un objet A. Donc vous allez leur associer un autre sous-objet que vous notez comme ça. C'est quoi? C'est le plus grand sous-objet de A tel que son intersection avec A1 est contenue dans A2. Alors bien sûr, il faut qu'il existe un tel, vous voyez, on demande que parmi tous les sous-objets qui vérifient cette propriété, il y en ait un plus grand. Et on l'appelle A1 implique A2. Qu'est-ce que ça veut dire le plus grand si les sous-objets c'est à isomorphisme près? On parle de sous-objets à isomorphisme près ou à... C'est à isomorphisme près. À isomorphisme près. Voilà, parce que... Mais la catégorie, quel fondement utilise ici? La catégorie sont de classe avec... Donc il y a certaines questions. Mais on peut discuter ça après. Sur les classes d'isomorphisme de sous-objets, vous avez une relation d'ordre naturel. Hein, donc c'est à ça qu'on fait référence. L'isomorphisme, c'est pas légal quand on... J'ai toujours des questions de ligne. Donc pourquoi c'est pas la même chose que l'intersection de A1 et A2? Non, parce que tu vois, si par exemple tu es dans la catégorie des ensembles, donc A1 implique A2, donc ça veut dire son intersection avec A1, c'est A1 inter A2, mais complété, auquel tu ajoutes le complémentaire de A1. Voilà. Et enfin, la dernière chose qui reste à interpréter, c'est la négation. On considère un sous-objet A d'un objet B. Et qu'est-ce que c'est que la négation qu'on va noter comme ça? C'est le plus grand
sous-objet de B dont l'intersection avec A est égale au sous-objet initial, est égale au vide. Hein, donc vous voyez qu'ici, on ne demande pas du tout la loi du tiers exclu. Hein. Mais voilà, donc... La triple négation est égale à la négation. Ah, oui. Oui. Mais en revanche, la double négation n'est pas l'objet de départ. Et quand on dit le plus grand, est-ce que c'est toujours facile à vérifier que si vous avez un nombre fini de telle sorte, alors leur soupe vérifie aussi la propriété ou... C'est-à-dire que... So, we can soup. Bon, ici, là, donc, je veux simplement donner une idée de la manière dont on interprète ces choses. Bien sûr que pour que tout cela ait un sens, il faut demander aux catégories de vérifier des propriétés. Hein, donc ça demanderait du temps d'écrire de quelles propriétés on a besoin exactement à chaque fois pour que ces choses aient un sens. Hein, simplement, j'ai voulu donner une idée de l'interprétation. Par exemple, non 1, c'est A implique faux. Oui. Voilà, alors, bon, maintenant, on a, voilà, donc ici, j'ai indiqué les différentes manières d'interpréter les choses, alors maintenant, je vais me restreindre à des théories un peu plus particulières. Donc ce qui m'intéresse, c'est les théories régulières, les théories géométriques, et puis bon, quand même, en général, les théories du premier ordre. Alors, donc ici, on donne quand même un énoncé, hein, qui justement va spécifier, au moins dans certains cas, quelles sont les bonnes catégories. Alors, premièrement, donc les formules régulières... de sigma s'interprète dans les sigma structures M d'une catégorie C si C est une catégorie régulière au sens suivant. Alors, il y a deux propriétés. Premièrement, on demande que C est cartésienne, c'est-à-dire A des limites finies arbitraires. Quand je dis limite, je veux dire limite projective. Hein. Limite projective finie arbitraire. Et puis, il y a une deuxième condition, c'est que tout morphisme de C possède une image, c'est-à-dire un plus petit sous-objet à travers lequel le morphisme se factorise, et on demande que la formation des images commute au changement de base. Voilà, donc c'est les deux propriétés. Bah, ça veut dire on a une flèche, d'accord ? Ici, un morphisme de changement de base. Donc, comme il y a des produits finis, je peux former ce carré cartésien. Et ce que j'ai, c'est que l'image de cette flèche ici est l'image réciproque de cette image. Voilà. Bah ensuite, il y a la même chose. Oui. Est-ce qu'on sait que l'image de quelque chose qui est non vide, que cette image est non vide?
C'est quoi la chose non vide dans la catégorie? Le vide n'a pas de sens dans les catégories. Non, non mais vide au sens, tu l'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand tu as l'objet initial. Il y en a encore à ce niveau-là. Il n'y en a pas encore. Donc ensuite, il y a les formules géométriques. Donc s'interprètent dans les catégories qu'on appelle géométriques. Donc qu'est-ce que c'est qu'une catégorie géométrique ? Ça veut dire d'abord que la catégorie est régulière, au sens précédent, et qu'il y a des réunions arbitraires de sous-objets dans n'importe quel objet, dont la formation commute au changement de base. Ça veut dire que là, tu as l'objet vide alors. Oui, parce qu'on peut prendre la réunion sur le vide. Donc il y a le sous-objet vide, oui. Là, il y a le sous-objet vide, et est-ce qu'on sait déjà justement que l'image d'un non-vide est non-vide? Ah, je pense que l'image aurait... Mais je pense qu'on sait d'après ça... L'image réciproque de vide est vide, parce que les réunions vides. Oui, tout à fait. Donc, ah oui, d'accord, si vous avez un sous-objet non vide, si vous avez un sous-objet non vide, ça ne fait pas... Tu as raison. Ok. Donc, ça répond à ma question d'avant. Parfait. Ensuite, donc les formules du premier ordre en général... Bon, alors on pourrait dresser une longue liste de toutes les propriétés dont on a besoin, mais en fait ici je ne vais pas donner quelque chose de nécessaire, simplement quelque chose de suffisant. Les formules du premier ordre, donc les plus générales, s'interprètent dans les topos. Je rappelle qu'un topos, par définition, c'est une catégorie équivalente à la catégorie des faisceaux sur un site au sens de Rothendieck. Oui, topos de Rothendieck. Et pas dans les topos plus généraux de... Non, ok, ça va. Sauf s'il y a des conduites ou convenables. Non, non, mais je dis bien que la condition que je mets là n'est pas nécessaire, elle est suffisante. Hein, et bon, de toute façon, pour fabriquer des catégories qui vérifient toutes les propriétés dont on a besoin et qui ne soient pas des topos... Non, non, il est facile de fabriquer en prenant dans les topos des conditions. Ben voilà, donc en prenant dans les topos, d'accord, on prend une sous-catégorie stable par toutes les opérations dont on a besoin. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a interprété les formules... Oui. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Une formule s'interprète. Elle s'interprète toujours comme un sous-objet dans un produit. Une formule, c'est toujours dans un certain contexte, c'est-à-dire qu'on a un nombre fini de variables, associées chacune à une sorte. Donc, ces sortes, appelons-les A1, A2, AN, et l'interprétation, c'est un sous-objet de MA1 fois MA2 fois MAN. Donc toute formule s'interprète comme un sous-objet du produit d'objets qui correspond au contexte choisi pour la formule. Donc c'est la formation d'un sous-objet, c'est ça ? C'est, voilà, c'est des règles de formation de sous-objets. Maintenant on a la définition suivante, donc on arrive... Enfin, à la fin de la sémantique, c'est-à-dire la notion de modèle d'une théorie. Donc on considère T, une théorie, donc on va prendre régulière, respectivement géométrique, respectivement du premier ordre, hein, c'est les trois théories qui nous intéressent,
Et puis on considère C une catégorie qui est régulière, respectivement géométrique, respectivement un topos. Alors, maintenant, on a la notion de modèle M de la théorie T dans la catégorie qu'on considère. Donc, qu'est-ce que c'est ? Par définition, c'est une sigma structure M dans la catégorie C. Hein, donc, la notion de sigma structure ne fait appel qu'à la signature de la théorie. Hein, mais donc c'est une sigma structure M de C, telle que pour tout axiome de la théorie T, donc je rappelle que les axiomes, ce sont des sécants, alors qui peuvent être des sécants réguliers dans le cas régulier, des sécants géométriques dans le cas géométrique, des sécants du premier ordre dans le cas le plus général. Donc pour tout axiome qui a cette forme-là. Donc, dans un certain contexte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez interpréter dans votre sigma structure M la formule phi et la formule psi comme deux sous-objets d'un même produit d'objets. Hein, vous avez l'interprétation qu'on peut noter comme ça. Hein, psi M. Donc, ce sont deux sous-objets d'un même produit d'objets. Et donc, ce que vous demandez, c'est d'avoir une relation d'inclusion. Donc si cette condition-là est vérifiée pour tous les axiomes, vous dites que vous avez un modèle de la théorie. Alors, évidemment, quand exactement comme on avait considéré la catégorie des sigma structures dans une catégorie C, on peut aussi considérer les modèles de la théorie T dans, dans la catégorie C qu'on considère. Et ceci, bien sûr, les modèles forment une catégorie. Hein, c'est une sous-catégorie pleine de la catégorie des sigma structures. Ensuite, on s'intéresse aux propriétés de functorialité. On va prendre T, une théorie qui est régulière ou géométrique. Et on considère un functeur entre deux catégories régulières, ou respectivement géométriques, qui est régulier, respectivement géométrique. Le sens est évident. Donc régulier, ça veut dire que ça commute à la formation des produits fibrés finis, hein, des limites finies, ainsi qu'à la formation des images. Et géométrique, ça veut dire que ça commute à la formation des réunions de sous-objets, en plus d'être régulier. Si on a un tel functeur, évidemment, il définit un functeur de la catégorie des modèles de T dans C vers la catégorie des modèles de T dans C'. Hein, par simple restriction du functeur au niveau des sigma structures. Alors ici, vous voyez qu'il y a ce mot géométrique qui apparaît. Il faut tout de suite faire une remarque importante, c'est que depuis Grothendieck, on dispose en particulier de la notion de morphisme géométrique de topos. Hein, si on a deux topos, donc morphisme géométrique, qu'est-ce que c'est ? C'est une paire de functeurs
qu'on appelle l'image directe et l'image réciproque. Hein, donc F étoile en bas, F étoile en haut. On demande que le foncteur d'image réciproque soit adjoint à gauche du foncteur d'image directe. Hein, donc la définition d'un morphisme géométrique, c'est une paire de tels foncteurs adjoints. Absolument. Hein, donc c'est ce que j'allais dire, il y a une condition supplémentaire, c'est que ce foncteur-là, le foncteur d'image réciproque, commute aux limites finies. Et bien sûr, il commute aux colimites arbitraires parce que c'est un adjoint à gauche. Hein, et le foncteur d'image directe commute aux limites arbitraires parce que c'est un adjoint à droite. Je pense que chez Grothendieck, il n'y a pas géométrique, il y a seulement morphisme de nos postes. Est-ce qu'ici, il y a des morphismes qui ne sont pas géométriques aussi, dans le cas de... C'est-à-dire morphismes au sens... Une transformation naturelle entre deux topos, c'est pas forcément un morphisme géométrique. Disons, pour nous, cette définition-là, elle vient de quoi? Elle vient de ce que... disons, quand on est dans une situation géométrique, donc de la géométrie algébrique, de la topologie, en fait, toutes les situations classiques, donc chaque fois qu'on a, par exemple, un morphisme de variété, un morphisme de schéma, etc., ça induit un morphisme de topos en ce sens-là. Hein, on a toujours, donc c'est pour ça qu'on peut employer ce terme de morphisme géométrique. D'accord ? Et alors là, donc la remarque importante, c'est que si vous avez un morphisme géométrique de topos en ce sens-là, eh bien, en particulier, la partie image réciproque, qui donc va de E' vers E, hein, donc c'est un foncteur, attention, hein, du topos d'arrivée vers le topos de départ, donc ceci est un morphisme, est un foncteur géométrique. Non, c'est un foncteur géométrique au sens qui est là. Ouais, je sais bien. Le fait que le nom soit le même, ça peut gérer. Non, mais en même temps, je pense que la notion de théorie géométrique, catégorie géométrique, c'est vraiment venu de là. Hein. Je pense que c'est venu de là. Hein. Donc, ceci est un foncteur géométrique, en particulier si T est une théorie géométrique. Eh bien, il y a un foncteur des modèles associés qui va donc des modèles de T dans le topos d'arrivée vers les modèles de T dans le topos de départ. Autrement dit, si vous vous placez sur la deux catégories des topos, où les flèches sont les morphismes géométriques de topos en ce sens-là. Donc si vous vous placez sur la deux catégories des topos, eh bien une théorie géométrique définit un deux foncteurs contravariants là-dessus. Voilà, et donc ça c'est le paragraphe suivant. Mais avant de passer au paragraphe suivant, je voudrais quand même faire tout de suite une remarque, c'est que, en revanche, si vous prenez pour T non plus une théorie géométrique, mais une théorie du premier ordre, bien sûr, on a dit que les théories quand on a une théorie du premier ordre, on peut considérer ces modèles dans un topos. Donc, dans la situation où nous sommes, on dispose des catégories de modèles dans les deux topos qu'on considère. Mais, en général, il n'y a pas de foncteur. Pour avoir un foncteur assuré, il faut que la théorie soit géométrique. Hein, et donc là, je peux peut-être faire tout de suite un commentaire, c'est que ça peut être embêtant parce que, par exemple, imaginez que vous vouliez formuler la notion de dimension. Puisque notre objectif, c'est de comparer les théories cohomologiques. En particulier, on s'attend à ce que les espaces de cohomologie aient tous la même dimension sur leurs corps de base respectifs. La dimension d'espace de cohomologie, hein, de schéma X, à coefficient dans QL, QP, etc.
Et donc, on s'attend à ce que les dimensions soient les mêmes, et même les dimensions des espaces propres. Enfin, voilà. Donc ça, ça veut dire qu'on s'attend à ce que ces propriétés de dimensions soient stables par des foncteurs naturels. Bon, donc ça, j'en parlerai la prochaine fois. Mais ici, la remarque que je veux faire, c'est que pour formuler cette notion de dimension, on a besoin de la logique du premier ordre tout entière. La logique géométrique ne suffit pas. Alors, tu veux dire que c'est des dimensions à valeur entière, je suppose. Oui. D'accord. Oui. Et où est-ce que ça apparaît, la nécessité de ne pas être géométrique? Ça apparaît parce que... vous avez des quantificateurs universels qui apparaissent dedans. D'abord, vous avez... Bon, de toute façon, j'expliquerai ça la prochaine fois, mais mais voyez, les espaces... Si on pensait à la dimension comme la construction de la catégorie de Grothendieck, on n'aurait pas besoin de ça. Alors, ça dépend comment on formule les choses. Oui. Ça dépend... C'est-à-dire, on peut retrouver la notion de dimension... Si on a des morphismes traces, hein, mais pour ça, donc il faut avoir intégré dans la théorie la dualité, hein, donc c'est un choix qu'on peut faire. Et puis, ça va peut-être poser problème quand on s'intéresse à des espaces propres ou des choses comme ça. Et puis, disons que jusqu'à présent, enfin, j'en parlerai la prochaine fois, mais disons la bonne formulation des choses n'est pas du tout claire. A priori, il y a un très grand nombre de choix possibles, et donc, si on ne met pas la dualité dans la théorie, on a besoin, pour formuler la dimension, de la logique du premier ordre. La logique géométrique ne suffit pas. Et donc, ici, on aimerait bien que pour les théories qu'on veut regarder, les topos qu'on veut regarder, il y ait de tels foncteurs. Et en fait, donc c'est l'une des justifications pour quelque chose que je dirai la prochaine fois, c'est-à-dire que donc Olivia s'attend à ce que le topos classifiant des théories cohomologiques, hein, ce que Barbieri-Vialet a proposé de nommer le topos motivique, donc elle s'attend à ce que ce topos ait une propriété très particulière, d'être atomique à deux valeurs, j'expliquerai ce que ça veut dire, et ça a la conséquence suivante, c'est que quand on considère un point d'un tel topos, c'est-à-dire un foncteur géométrique, un morphisme géométrique qui va du topos des ensembles vers un tel topos, eh bien, le foncteur induit, lui, respecte toutes les formules du premier ordre, pas seulement les formules géométriques. Voilà. Donc, je reviendrai là-dessus. Donc là, je pense qu'on va faire une pause de 5 minutes, là, tout de suite. Alors, je vais... Donc là aussi, je reprends des choses que... Je crois que c'est la définition 10. Je reprends des choses que j'avais déjà dites la dernière fois. Dans le contexte des... dans le contexte des théories régulières. Donc là, on va considérer donc T, c'est une théorie... T est une théorie géométrique ou régulière. Hein, c'est dans ce contexte-là qu'on a une notion de catégorie syntactique. Alors, qu'est-ce que la catégorie syntactique et alors ici, je mets tout de suite respectivement syntactique régulière. Donc la première, on la note CT. La deuxième, on la note CT reg. Alors, il faut faire attention que si T est une théorie régulière, c'est en particulier une théorie géométrique. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir deux catégories syntactiques associées. La catégorie syntactique tout court et la catégorie syntactique régulière. Hein? Donc, on va les définir tout de suite. Alors, évidemment, une catégorie, ça consiste d'abord en des objets. Alors, qu'est-ce que c'est que les objets? C'est les formules. Les objets sont les formules.
Alors, formule géométrique, dans le premier cas. Et dans le deuxième cas, on prend simplement les formules régulières. Alors, vous voyez que les objets de cette catégorie ne dépendent que de la signature. Ils ne dépendent pas de la théorie T, ils ne dépendent pas des axiomes. Et ils forment un ensemble ou pas ? Non. Non, parce que le... on s'autorise des... Non, disons, si on limite les variables, ça va former un ensemble. Mais on n'est pas obligé de le faire. Hein. Voilà, donc les objets sont là. Et ensuite, il y a les morphismes. Donc, supposons que j'ai deux... Ah oui, alors ici, non, quand même, une chose qu'il faut que je dise ici, c'est que toute formule est donnée dans un certain contexte, hein, c'est-à-dire dans le contexte d'un nombre fini de variables. Et quand je dis que ce sont les formules géométriques, c'est modulo éventuelle substitution de variables. C'est-à-dire j'ai le droit de remplacer un nombre fini de variables. Alors, si vous voulez, j'ai le droit de changer le nom des variables. Voilà, simplement de renommer les variables. Non, pas leur sorte, certainement pas. Mais voilà. Hein, donc j'ai le droit de renommer les variables. Alors maintenant, si j'ai deux formules écrites dans deux contextes différents, x et y, je veux savoir ce que c'est qu'un morphisme entre les deux. Alors, quitte à renommer, justement, je peux supposer que les deux ensembles de variables sont disjoints. Hein, je peux toujours supposer ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un morphisme ? Eh bien, c'est également une formule, mais une formule dans le contexte formé par la réunion des deux contextes. Alors, dans le premier cas, ça va être une formule géométrique, et dans le deuxième cas, une formule régulière. Hein, j'impose le type de formule que je regarde. Et là, ça forme un ensemble. Oui. Parce que les variables sont fixées. Donc les variables ne sont pas prises sur un suite donné x1, x2, x3, mais sur un... Quelle est la collection de variables que vous autorisez ? Des collections des familles finies de variables. Non, mais quelles sont les variables ? So is there like when you write logic, you write there are some symbols like x1, x2. Oui. Vous êtes donné au départ donc une collection de variables dans laquelle, bon, qui est assez grande et dans laquelle vous pouvez aller puiser les variables qui vont vous servir à écrire les formules. Oui, c'est bien. Oui, en fait. Ouais. C'est important après, mais si tu vas voir. Ouais. Non, mais c'est. Oui, c'est vrai. Effectivement, les objets forment un ensemble. Parce qu'on a au départ une collection, donc un ensemble de variables qui est très grand, mais qui quand même est un ensemble et qui est fixé. Oui, il lui suffit d'être affini, hein, parce que faut faire attention parce que le. Ouais, c'est-à-dire on peut former des réunions disjointes infinies de choses dans lesquelles il y a des variables avec des quantificateurs existentiels. C'est-à-dire les quantificateurs. Ah, donc les variables existent. Oui, parce que si on s'autorise des distinctions infinies, bon. L'ensemble des formules, ce n'est pas un ensemble. Voilà, donc, alors les morphismes, donc, ça va être des formules géométriques, respectivement des formules régulières, hein, suivant qu'on est en train de définir la catégorie syntactique ou la catégorie syntactique régulière. Mais évidemment, on exige quelque chose ici, et qui là dépend de la théorie. On demande que cette formule-là soit ce qu'on appelle démontrablement fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on va interpréter cette formule, ça va automatiquement définir un graphe, et le fait que ça soit un graphe est démontrable dans la théorie. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire d'abord qu'on demande que quand on se place dans le contexte des deux familles de variables réunies,
eh bien, θ implique la conjonction de φ et de ψ. Autrement dit, la projection de θ, évidemment, ça s'envoie dans le sous-objet défini par φ que multiplie le sous-objet défini par ψ. Non, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est donc le fait que quand la formule φ est vérifiée, eh bien, il existe quelque chose au-dessus qui vérifie θ. Et puis la troisième condition, c'est que si je me donne deux choses qui vérifient θ avec deux paquets de variables y et y' et au-dessus du même x, eh bien, je veux que ceux-ci, en les trois paquets de variables x, y, y', impliquent y égale y'. Et donc, ce qu'on veut, c'est que ces trois choses soient démontrables dans T. C'est-à-dire que ces trois implications puissent se déduire des axiomes de T par les règles d'inférence habituelles entre implications. Hein, là, on est dans le métalangage qui règle les relations entre elles, des implications, des syllogismes. Hein, donc voilà la définition des flèches. Alors là, il y a un exercice. C'est que faut quand même que je dise quelque chose. C'est que quand je dis ce sont les formules, on va prendre les formules à équivalence près. C'est-à-dire qu'on considère deux formules comme équivalentes quand chacune implique l'autre. C'est-à-dire quand le sécant θ implique θ', donc c'est en x et y, quand ceci est démontrable dans la théorie, de même que l'application en sens inverse. Donc quand on a deux formules qui sont équivalentes en ce sens-là, elles définissent un même morphisme. Hein, et donc, exercice, vérifier que c'est une catégorie. Alors, est-ce que la démonstration est la même si on se restreint à un certain type de formule, comme tu fais ici? Oui, là, donc on voit bien que... Donc ici, il y a deux définitions, hein, la catégorie syntactique, la catégorie syntactique régulière. Et donc, pour la catégorie syntactique régulière, on ne regarde que les formules régulières. Du coup, la notion de démonstration, enfin, θ implique θ'. Est-ce que c'est la même Oui. Oui, parce que de toute façon, les règles d'inférence entre implications sont les mêmes. Dans un cas, on s'est donné beaucoup. On s'est autorisé beaucoup moins de formules. Mais les règles d'implication entre formules sont les mêmes. Est-ce que dans la logique infinitaire, ici, il y a le théorème usuel de complétude de Gödel qu'on peut démontrer un truc sur seulement si dans chaque modèle il est vérifié? Alors ça dépend du type de théorie que vous allez regarder. Donc en général c'est pas vrai, hein, mais il y a des types de théories pour lesquelles c'est vrai. Donc je pense que c'est ce qu'on appelle la logique cohérente. Hein, si vous regardez dans le texte de background d'Olivia, vous voyez qu'il y a toute une typologie de différents types de théories. Ici, je regarde simplement du premier ordre géométrique régulière, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres, et il y a certains types de théories qui impliquent exactement ce que vous venez de dire. Mais en particulier, si on n'autorise pas les trucs infinis, c'est vrai. Donc s'il y a seulement les disjonctions et réunions finies, donc, oui. Je parle à ça. Il y a un théorème oui. Classique. Oui, ouais. Mais donc vous disiez que ce n'est pas vérifié en général. En général, ce n'est pas vérifié. Mais là aussi, les propriétés de complétude, c'est des choses qui nous intéressent parce que vous voyez qu'on s'attend à ce que les différents functeurs cohomologiques aient tous exactement les mêmes propriétés. Et alors ça, c'est en quelque sorte typique des modèles d'une théorie complète. Alors la propriété que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'un topos soit atomique à deux valeurs, donc si une théorie a un topos classifiant qui est atomique à deux valeurs, hein, on va voir tout de suite la notion de topos classifiant, eh bien ça implique en particulier que cette théorie est automatiquement complète. Donc que tous ces modèles vérifient les mêmes propriétés, et de quelles propriétés s'agit-il? Toutes les propriétés formulables dans la logique du premier ordre. Hein, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, à titre de conjecture de travail,
Olivia a commencé à travailler sur cette hypothèse-là. Alors, voilà, alors ça c'est la notion de catégorie, mais tant qu'on va faire, on va tout de suite définir la topologie sur cette catégorie syntactique, topologie au sens de Grothendieck. Hein, donc vous avez deux cas de figure, vous avez la catégorie syntactique ou catégorie syntactique régulière. Et là, vous allez compléter ça par une topologie, la topologie géométrique, et là, pour une autre topologie que vous appelez la topologie régulière. Toutes les deux sont des topologies au sens de Grothendieck. Alors, comment fait-on pour définir ce que c'est qu'une topologie au sens de Grothendieck? Il faut dire quelles sont les familles couvrantes, quels sont les cribles couvrants. Autrement dit, vous... Est-ce qu'il y a déjà des produits figurés dans Oui, tout à fait. Donc en fait, on peut se donner simplement une base. Quoi. On pourrait, mais là, donc là, on va même dire quand est-ce. Hein, on se donne vraiment une famille de flèches arbitraires. Hein, j'ai un objet qui a un but, et puis j'ai une famille de flèches d'objets phi en des variables xi, donc theta i, xi, y. Voilà, et je veux savoir quand est-ce qu'une telle famille est couvrante. Alors, il y a deux cas, hein, il y a le cas géométrique et le cas régulier. Alors, dans le cas géométrique, eh bien, dire que c'est couvrant, ce crible est couvrant, si et seulement si, le séquent suivant, donc c'est psi implique dans le contexte y, la réunion, alors vous voyez ici, l'ensemble d'indexation, c'était grand I. Donc on fait la disjonction sur tous les éléments de grand I de « il existe xi » tel que la formule θ i soit vérifiée. Autrement dit, on veut simplement que ici, en quelque sorte, ceci soit la réunion des images de ces flèches. Non, c'est θ i. Θ i implique phi, hein. Mais c'est vraiment ce qui définit la flèche. Hein, je rappelle que θ i est en xi et y. Alors si vous mettez le quantificateur existentiel, il ne vous reste plus que le y. Hein, donc ça, c'est dans le cas géométrique, hein, et ça définit bien une topologie de Grothendieck, donc là aussi, le vérifier. Et puis dans le cas, régulier, c'est si et seulement si. Alors, vous voyez, ici, ça a un sens dans le cas géométrique, parce qu'on peut former des réunions arbitraires. Mais dans le cas régulier, on ne peut pas faire ça. Donc ce qu'on va dire, c'est si et seulement si, il existe un nid appartenant à grand I, tel que le séquent psi implique il existe xi tel que θ i soit démontrable dans la théorie. Autrement dit, couvrant, ça veut dire qu'il y a une flèche dans toute cette famille dont l'image est égale à tout. Et alors, ces deux choses définissent une topologie au sens de Grothendieck. Est-ce qu'il y a des produits fibrés pour, C'est ce que je vais dire tout de suite, oui. Si vous voulez, c'est... Alors, c'est le théorème 11. Donc il y a plusieurs parties dans ce théorème. Premièrement, si vous vous donnez pour T une théorie géométrique, donc vous lui associez sa catégorie syntactique, et ceci est une catégorie géométrique. Si vous prenez pour T une théorie régulière, vous lui associez sa catégorie syntactique régulière associée, et ceci est une catégorie régulière. Hein, donc en particulier, dans l'une comme dans l'autre, il y a des produits fibrés finis arbitraires. Ces catégories, en plus, représentent le foncteur des modèles sur la deux catégories
des catégories géométriques, respectivement régulières. Hein, c'est-à-dire que si vous vous donnez... vous avez que les morphismes d'une catégorie géométrique arbitraire c'est le contraire, parce que le functeur des modèles, il est covariant à ce niveau-là. Non, pour le moment, non. Effectivement, on va venir ensuite à la topologie, mais avec la définition et la propriété universelle des topos classifiants, mais cette propriété universelle des topos classifiants est déduite d'une propriété universelle des catégories syntactiques. Hein? Et en fait, pour démontrer les théorèmes qui sont là, c'est ça qu'on va utiliser. Je rappelle qu'on avait défini le functeur des modèles. Hein? Donc ici, C est une T est une théorie géométrique. Ici, on prend une catégorie géométrique arbitraire et on dispose du functeur des modèles, qui est un functeur covariant sur la deux catégories des catégories géométriques. Respectivement, la même chose avec les catégories régulières. Et donc, ce qu'on a, c'est que ce functeur est équivalent à celui des morphismes, des functeurs, CT dans C, respectivement. Alors ici, bien sûr, c'est les functeurs géométriques, et là, c'est les functeurs réguliers de la catégorie CT-REG dans C. Ça, c'est covariant, à ce niveau-là. Donc ça, c'était la première partie du théorème. Maintenant, il y a une deuxième. Donc vous avez la catégorie syntactique munie de sa topologie, et bien sûr, vous pouvez lui associer le topos des faisceaux sur cette catégorie. Bon, de même pour la catégorie syntactique régulière, munie de la topologie régulière. Vous appelez ça ET-REG. Donc attention, c'est deux topos différents, hein, définis sur deux catégories différentes avec deux topologies différentes. Oui, c'est une équivalence. Oui, bien sûr, on est sur une deux catégories. Et alors là, donc l'assertion, c'est que, évidemment, si on a un topos E, on peut lui associer la catégorie des modèles de T dans E. Donc ceci a un sens, aussi bien dans le cas où T est une théorie géométrique que dans le cas où T est une théorie régulière. Et donc l'assertion, c'est que ce functeur des modèles est équivalent au functeur de ce qu'on a appelé les morphismes géométriques. Morphismes géométriques. De E, alors là, attention, c'est contravariant de E dans ET, respectivement de E dans ET-REG. Alors en particulier, vous avez tout de suite un corollaire, c'est que si vous avez une théorie régulière, vous pouvez lui associer à la fois sa catégorie syntactique régulière, donc deux topos différents. Et ce que vous dit en particulier le théorème, c'est que les functeurs des morphismes géométriques de E vers ET et vers ET-REG sont équivalents. Autrement dit, les topos associés à ces deux catégories munies de ces deux topologies sont équivalents. Tu peux répéter, je n'ai pas compris la deuxième remarque. Que si on a une théorie régulière, on peut lui associer à la fois sa catégorie syntactique régulière et sa catégorie syntactique, avec les deux topologies qu'on a définies. Et donc, il y a deux topos associés. Et ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes à équivalence près. Ils sont les mêmes à équivalence près. Hein? Et ceci, en fait, c'est pas très compliqué, mais c'est pas trivial non plus. La différence entre les deux énoncés, donc, si tu acceptes 1... Donc, dans l'énoncé 1, on regarde le functeur des modèles sur la deux catégories
des catégories géométriques ou bien sur la deux catégories des catégories régulières. Avec le, on a défini une notion de catégorie géométrique ou de catégorie régulière, et on a défini une notion de morphisme géométrique ou de morphisme régulier. Voilà, donc ce qu'on dit, c'est que ces functeurs des modèles sur ces deux catégories sont représentables par la catégorie syntactique, respectivement par la catégorie syntactique régulière. Ça, c'est clair par contre. Voilà. Oui, tout ça est tautologique. Maintenant, quand on l'écrit, même cette partie, en fait, c'est pas. Il y a quand même des résultats qui interviennent. Là, il va me manquer du temps, donc je vais peut-être pas tout dire, mais ça sera dans les notes écrites, où il y aura vraiment la démonstration complète. Disons le lemme essentiel pour démontrer ça, que je ne vais pas avoir le temps d'écrire, c'est quand on est dans une catégorie syntactique, qu'on a un objet de cette catégorie syntactique, de caractériser les sous-objets. Qu'est-ce que c'est qu'un sous-objet ? Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un monomorphisme ? Et donc là, il y a quelque chose qui va nous dire que un sous-objet, c'est exactement, disons, un objet donné par une formule phi. Et se donner un sous-objet, c'est exactement se donner une formule psi en les mêmes variables, telles que psi implique phi. Bah oui, mais là, donc c'est bien, mais ça demande une démonstration. Non, parce que là, une fois qu'on a des formules, c'est simplement l'équivalence entre formules, au sens que l'implication dans les deux sens est démontrable dans la théorie. Hein? Et est-ce que la topologie que tu as définie, est-ce qu'elle est telle que les préfaits représentables soient... Oui, et c'est important. Enfin, alors attention, dans le cas géométrique, c'est pas vrai en général. Dans le cas régulier, c'est vrai, en général. Mais ça, c'est un point dont on va devoir se servir un peu après. Donc là, bon, j'ai pas le temps de donner la démonstration d'abord de la... vous voyez, il y a deux parties. Hein. Donc d'abord, il y a la partie 1, la vérification du fait que ces catégories sont universelles. Hein, l'ingrédient essentiel, je l'ai dit, hein, ça consiste à caractériser les sous-objets d'un objet donné dans la catégorie syntactique. C'est-à-dire, à partir du moment où on sait qu'un sous-objet, c'est une formule, ça veut dire que les intersections de sous-objets, ça va correspondre à des conjonctions, les réunions de sous-objets, ça va correspondre à des réunions, voilà. Et donc, autrement dit, on a un dictionnaire entre les catégories et la logique. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour démontrer les propriétés qu'on veut. Alors... les sous-objets sont définissables, c'est à peu près la même chose. Oui, il y a aussi, par exemple, un autre ingrédient dont vous avez besoin, c'est le suivant. Quand vous avez une flèche, vous avez besoin de la factoriser à travers l'objet image. Hein? Donc vous avez une flèche phi de x, donc la flèche c'est θ de xy, et ici vous allez vers psi de y. Et qu'est-ce que c'est que le sous-objet ? Ben, le sous-objet, c'est il existe x tel que θ de xy. Vous voyez, il est écrit en les mêmes variables. Là, du fait qu'on a mis un quantificateur existentiel sur le x, il n'y a plus que la variable libre y. Donc on définit, ceci est dans le même contexte que ça. Et donc ça, c'est la factorisation. Hein, donc on a en quelque sorte un dictionnaire entre la logique et le langage des catégories, qui permet de démontrer ces propriétés. Ça c'est pour la première partie du théorème. Pour la deuxième partie, dans ta partie de la flèche, ça ne veut pas dire un foncteur. Hein. Non, c'est le topos associé. Non, cette flèche-là. C'est le topos associé au site. Oui, c'est pas un foncteur, c'est simplement, je sais pas comment dire. C'est défini, c'est l'égalité. Tu peux mettre SH du terme de gauche et du terme de droite. Oui. Voilà, faisceau de ceci égale ça, faisceau de ceci égale ça. Voilà, par définition. Hein, c'est vraiment une définition. Voilà. Mais donc, avec la propriété importante, encore une fois, que si T est régulière, ET 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 régulier sont deux topos équivalents. Hein, pas égaux, mais équivalents.
Alors, la démonstration de la partie 2, donc là aussi, je ne vais pas avoir le temps de la faire, il y aura tous les détails dans le texte écrit, mais vous voyez, donc vous prenez un topos E, et, un topos arbitraire, et vous regardez la catégorie des modèles de E, et par exemple, vous supposez que T est une théorie géométrique. Alors, vous connaissez déjà 1. Donc vous savez que cette catégorie-là, la catégorie des modèles de T dans E, elle est équivalente à la catégorie des foncteurs géométriques qui vont de la catégorie syntactique dans E. Voilà, vous connaissez déjà cette équivalence. Et alors, maintenant, vous avez CT, et puis CT, bien sûr, s'envoie dans ET. Hein, donc, c'est le composé du foncteur de Yoneda et du foncteur de faisceautisation. Hein, et donc, ici, vous voyez que si vous êtes parti d'un modèle, vous lui avez associé un foncteur qui va de CT dans E, et vous voulez savoir si ceci peut être complété en un foncteur qui va de ET dans E et qui est la partie image réciproque d'un morphisme géométrique de topos. Hein, on veut que ceci, ça soit le F étoile en haut pour un F étoile en haut, F étoile en bas qui va E vers ET. Alors, on sait déjà que le foncteur qui nous est donné ici, est un, que ce soit dans le cas géométrique ou dans le cas régulier, déjà c'est un foncteur cartésien. Donc le fait pour un foncteur cartésien de pouvoir être complété et de manière unique de cette manière-là, c'est le fait d'être continu pour la topologie. Hein, donc ça, c'est un théorème qui se trouve déjà dans les SGA. D'accord. Et continue pour la topologie, ça veut dire qu'il envoie tout recouvrement. Et continue pour la topologie, ça veut dire qu'il transforme tout recouvrement au départ en un recouvrement à l'arrivée. Voilà. Et c'est comme ça, donc quand vous écrivez les choses, vous tombez exactement sur la bonne topologie sur CT, ou CT régulier, qui... Bon, parce que... À l'arrivée, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut... Au niveau des modèles, vous savez ce que c'est qu'un recouvrement, hein, parce que les épimorphismes, c'est donné justement... Vous voyez, les images, elles sont interprétées de cette manière-là. Donc, en fait, tu as défini exactement la topologie pour que ça marche. Voilà. Donc, mais en quelque sorte, on n'a même pas besoin de le poser a priori. C'est-à-dire, on applique ce théorème comme quoi le foncteur se prolonge si et seulement si il transforme les recouvrements en recouvrements. Et ça donne... l'unique topologie qui fait marcher la propriété. D'accord, mais il faut bien démontrer quelque chose. Alors, je veux dire, c'est quoi qui est difficile? C'est l'unicité ou c'est quoi? Non, l'ingrédient, c'est vraiment ce théorème qui se trouve déjà dans les SGA. Le point central, c'est ça. C'est-à-dire la caractérisation, le fait de pouvoir dire que le morphisme qui m'est donné par la partie 1 du théorème va se prolonger. Mais comment tu sais que F-star produit Je sais qu'il commute aux limites. Je sais. Non, il est déjà cartésien. Il est déjà cartésien. Hein, et donc, pour un foncteur cartésien, le fait de pouvoir se prolonger au niveau des topos, c'est exactement la continuité. Non, mais en général, pour le set sans produit fibraire, sans limite finie, il y a trois notions. Donc, transformer les recouvrement. Être continu, ça veut dire en général oui. Que les faisceaux vont vers le faisceau, et après, oui. Morphisme de C, c'est plus... Et que ça se factorise. Oui, donc la définition générale, ça va être, je crois que c'est plat et continu. Hein? Mais là, comme le foncteur est cartésien, plat, c'est automatique. Pas vraiment, parce qu'il faut aussi des limites d'autres qui sont projectives, mais tu as les sous-objets, ça suffit.
cartésien, ça ne suffit pas pour être plat. Non, mais s'il est plat et s'il est cartésien et continu, il va être plat et continu. Plat, je ne sais même plus quelle est la définition, mais techniquement c'est compliqué. Mais ici, on a des functeurs cartésiens et donc les choses sont faciles. Hein, le functeur qui nous est donné ici, là, de CT vers E, hein, il est cartésien, il commute aux limites finies arbitraires. Donc il est plat. Voilà. Et donc ça suffit pour que le critère de prolongement, ça soit le fait que le functeur soit continu, autrement dit qu'il transforme les recouvrements en recouvrements. Non, mais aussi ça, ce n'est pas vrai. Donc, en général, dans le sens des GA, continu, ce n'est pas équivalent à transformer recouvrement en recouvrement. Non, mais ici, c'est équivalent. Donc si ça réserve des limites finies. Oui. Voilà. Donc, quand les notes écrites seront disponibles, vous aurez les détails. Là, je vais passer tout de suite à la partie 3, hein, c'est-à-dire revenir donc aux deux énoncés que j'avais dit la dernière fois. Donc, c'est deux théorèmes. Hein, d'abord, la construction de la catégorie CT et ses propriétés. Attends, excuse-moi, mais je veux dire, c'est automatique l'unicité, je suppose, comme dans le cas des objets universels. L'unicité de quoi ? Du classifiant, là. Parce qu'il est représenté par ça. Je veux dire, toi, oui. Qu'est-ce que tu as démontré, là ? Tu as démontré qu'en fait, il était représenté par... Voilà, ouais. Hein, c'est-à-dire, ici, on a déjà l'équivalence, les modèles, c'est les morphismes géométriques de E vers ET, et puis ensuite... Il faut que la topologie, que ET soit définie par une topologie qui assure. C'était les morphismes géométriques de CT vers E. Et ensuite, il faut savoir que se donner un morphisme géométrique de CT vers E, c'est la même chose que de se donner un morphisme géométrique du topos E vers le topos ET. Hein, donc il y a deux équivalences qui se suivent, et pour ça, il y a une topologie qui marche et une seule, qui est celle qu'on a écrite, hein, à la fois dans le cas géométrique et dans le cas régulier. Alors, ensuite, il faut reprendre donc la construction que j'avais expliquée la fois précédente. Donc, je rappelle que D, c'est simplement un carquois arbitraire, hein, on ne demande pas que ce soit une catégorie, et T, c'est une représentation de ce carquois dans les R modules, où R est un anneau arbitraire. La dernière fois, j'avais dit commutatif, mais en fait, ce n'est même pas nécessaire. Hein, là. Vous prenez un anneau arbitraire. Voilà. Et puis, donc, il n'y a aucune hypothèse sur la taille des modules. Pourquoi pas dans ce cas-là ? Oui, mais... on va voir. C'est-à-dire, dans une... la première chose qu'on fait quand on a ce T, là, c'est qu'on lui associe une théorie. Et pour ça, on a vraiment besoin que ça soit à valeur dans les R modules. Non, mais on pourrait généraliser. Mais disons que... ça va apparaître dans la démonstration. Il y a quelque chose qui va apparaître. Hein, mais pour avoir une catégorie R linéaire... Oui. Alors, je pense que la catégorie de R module n'est pas R linéaire. Quand R n'est pas commutatif. Ah oui, c'est ça. Quand R n'est pas commutatif. Et vous avez dit catégorie R linéaire dans votre exposé. Ah oui, alors dans ce cas-là, d'accord. Donc on maintient l'hypothèse commutative. D'accord. Cela dit, d'accord. Donc sinon, on enlève le mot. Sinon, le critère universel, c'est pour le truc R linéaire, donc on a que... Bon, disons que c'est commutatif, alors. Le point de départ, c'est ça. Et donc, à partir de ça, je rappelle que la première étape, ça consiste à associer à T ce qu'on appelle la théorie de T, la théorie régulière de T. Alors... Donc d'abord, il y a le choix d'une signature avec des symboles, des sortes. Donc le sort, ce sont les objets
du carquois. On met autant de sortes qu'il y a d'objets dans le carquois. Hein? Et puis ensuite, il y a des symboles de fonction. Alors, quel symbole de fonction on va mettre? Donc d'abord, on met un symbole de fonction pour chaque flèche de D. On met un symbole de fonction. Ensuite, on met un symbole de fonction binaire pour chaque objet de D. Donc ce symbole de fonction servira bien sûr à formaliser l'addition dans l'objet indexé par D. Il y a également un symbole de fonction, un symbole de constante associé à chaque objet de D qui va servir à formaliser l'élément 0. Et puis enfin, il y a un symbole de fonction qui va de D dans D pour chaque objet de D et chaque scalaire. Donc ça va servir à formaliser la multiplication par ce scalaire, l'homomorphisme de multiplication par ce scalaire. Donc voilà le langage, et vous remarquez, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais qu'il n'y a pas de symbole de relation. Hein, il y a uniquement des sortes et des symboles de fonction. Il n'y a pas de symbole de relation. Et donc ensuite, vous avez la théorie T. Donc les axiomes, ce sont les sécants réguliers. Les sécants réguliers vérifiés par T. Donc qu'est-ce que c'est? Donc un sécant régulier, c'est quoi? C'est une implication entre deux formules dans un certain contexte. Ce contexte, ça consiste en un nombre fini de sortes, c'est-à-dire, un nombre fini de variables associées à des sortes, c'est-à-dire à des objets du diagramme. Donc, quand vous prenez la représentation T, vous associez à chaque objet du diagramme un R module. Donc, quand vous avez une famille finie de variables associées à des sortes, vous pouvez former leur produit. Et quand vous avez un sécant régulier, eh bien, vous pouvez interpréter chacune des deux formules comme un sous-objet de ce R module produit. Est-ce qu'il y a aussi des trucs infinis éventuellement dans les disjonctions? Donc ici, il s'agit des formules régulières. Donc dans les formules régulières, il y a des conjonctions finitaires. Il n'y a pas de disjonction. Il n'y a pas de quantificateur universel. Mais il y a les quantificateurs existentiels. C'est-à-dire que vous avez le droit de projeter d'un produit sur un sous-produit. Donc ici, tout est fini. Tout est fini. Hein? Et puis, vous pouvez composer les symboles de fonction entre eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez composer des flèches. Vous pouvez aussi prendre des combinaisons linéaires. Hein? Donc, vous regardez vos flèches, vous prenez des combinaisons linéaires. Ensuite vous mettez des relations, mais la seule relation autorisée, comme il n'y en a pas dans le langage, c'est la relation d'égalité. L'égalité entre deux formules qui sont des combinaisons linéaires. Donc ça veut dire simplement qu'une certaine combinaison linéaire de composés est égale à zéro. Donc vous définissez un sous-module d'un certain module produit et vous vous autorisez à projeter ce sous-module sur un sous-produit du produit dans lequel vous êtes. Donc tout ce que vous pouvez définir de cette manière-là, c'est ce que vous pouvez appeler les sous-modules définissables. Et donc maintenant, chaque fois que vous avez un sécant, vous avez donc deux formules qui vous définissent deux sous-modules d'un même module produit, et vous décidez que ceci est un axiome de la théorie, si et seulement si, via l'interprétation par T, vous avez l'un qui est contenu dans l'autre. C'est la théorie de T. Vous regardez toutes les propriétés qui sont vérifiées dans T. Donc ça, c'est la première étape qui, en fait, est la plus importante. Parce qu'à partir de là, la machine se déroule presque automatiquement, hein. Donc l'étape 2, c'est, voilà, vous étiez parti de T et vous lui avez associé sa théorie,
Et donc là, la deuxième étape, ça consiste à associer à cette théorie sa catégorie syntactique régulière. Alors d'après ce qu'on a dit, on sait déjà que cette catégorie est régulière. Mais par ailleurs, voyez que dans cette catégorie, les symboles de fonction qui sont là définissent une addition, un élément zéro et des multiplications par les scalaires. Simplement, il faut vérifier que les axiomes habituels des structures linéaires sont vérifiés. La commutativité, l'associativité, la distributivité, etc. Et tout ça est vérifié pourquoi ? Pourquoi est-ce que toutes les formules qui définissent l'associativité, la commutativité sont vérifiées ? Ben, elles sont vérifiées parce que elles sont vérifiées dans la catégorie des R-modules. Et que vous voyez que vous avez mis que tout ce qui est vérifié par T est un axiome de la théorie. Donc ça vous donne exactement ce qu'il faut pour que tous les axiomes que doivent vérifier les morphismes d'addition, de multiplication par les scalaires soient vérifiés. Donc ça veut dire que sur cette catégorie régulière, en plus, vous avez une structure additive et R linéaire. Alors pour le moment, ce n'est pas une catégorie abélienne, parce qu'il lui manque les quotients. En revanche, bon, elle est régulière, c'est-à-dire qu'elle a des produits fibrés finis, elle a aussi des images. Hein, donc vous avez tout ça. On sait que ceci, d'après le théorème qu'on a écrit tout à l'heure, ceci représente le foncteur des modèles de T. Et vous pouvez vous demander, bien sûr, quel est le modèle universel dans cette catégorie. Ben, il est complètement tautologique. Hein. Donc, si vous avez... d'abord, vous devez associer à chaque sorte, c'est-à-dire à chaque objet de D, vous devez associer à un objet de la catégorie. Et un objet de la catégorie, syntactique, je rappelle que c'est simplement une formule. Donc ici, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous prenez la formule XD. Donc là, vous avez une seule variable de sorte D que vous voyez comme une formule. Et puis, vous devez aussi interpréter les symboles de fonction. Si vous avez un symbole de fonction comme ça, vous lui associez. Là aussi, vous devez aller de l'objet XD vers l'objet YD'. Et ceci doit être défini par une formule. Ben, qu'est-ce que vous prenez ? Vous prenez la formule, le symbole de fonction f, en la variable xd. XD, c'est pas une formule, c'est plutôt... XD, c'est une variable. Ici, ce que je veux dire, c'est que xd est une variable de sorte d. Au-dessus, pour la définition d'un objet de c. Un objet de la catégorie syntactique. Et je rappelle que les objets de la catégorie syntactique sont déformés. Ouais, mais xd, c'est pas une formule. Non, mais les termes sont des formules. À partir des termes, vous avez formé donc d'abord les formules atomiques, puis le... Par exemple, les termes sont égaux, je pense. Enfin, c'est l'instant, c'est tout ce que tu peux... Enfin, tu comme si c'est quelque chose de vrai ou faux en interprète. Je ne comprends pas. C'est la formule, je crois. Non, les termes sont des formules. Donc c'est vraiment par définition. Je pense que ce que vous voulez écrire, c'est la formule vraie dans le contexte à une seule variable. Bon, on peut dire, autrement dit, on peut dire ça aussi. Hein? D'accord, la formule vraie dans le contexte à une seule variable. Ok.
Voilà, donc voilà, donc vous avez donc à chaque flèche comme ça, vous associez la flèche là, et puis les autres flèches bah, sont définies simplement par la structure linéaire. Alors, maintenant, la propriété qu'on a, donc celle-ci, bon, c'est une proposition, hein. En fait, pour moi, c'est proposition 15, je le note parce que comme ça, vous aurez dans les notes écrites, vous retrouverez ça. Donc la deuxième partie de la proposition, c'est que, donc si on se donne, donc ça c'était 1, et maintenant on a la partie 2, donc on se donne une catégorie régulière arbitraire, on se donne un modèle, donc un modèle de T dans cette catégorie. Donc ici, on va prendre, oui, catégorie régulière, donc additive et R linéaire. Et quand on a un tel modèle, eh bien, il existe un foncteur canonique qui va de la catégorie syntactique régulière vers cette catégorie et qui transforme le modèle universel, donc M universel, en le modèle M. Hein, donc, c'est simplement, donc c'est l'énoncé que tout à l'heure, simplement on a précisé quel était le modèle universel. Hein. Oui, alors d'ici, une remarque importante, c'est que la représentation elle-même, T de D dans R-mod, vous pouvez la voir comme un modèle de la théorie T dans la catégorie des R-modules. Donc ça veut dire que si vous appliquez la partie 2, bah, vous obtenez que ce modèle, cette représentation, vue comme un modèle, se factorise. Vous avez le T qui va de D vers R mod, il se factorise à travers un morphisme qui est régulier, R linéaire, additif, qui va de CT reg vers les R modules. Et ce morphisme-là envoie le modèle universel de CT reg sur le modèle dans R mod qui correspond à la représentation qui m'était donnée au départ. Et dans le modèle universel, je crois que sur le front de R, it should be, if I understood correctly, it should be the formula y is equal to f of x d. This is the formula theta. Y equal. Oui. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'effectivisation. Hein, donc l'étape 3, hein, on a CT reg et on lui associe son effectivisation que l'on note CT, hein, c'est la catégorie qu'on veut. Alors ceci, c'est une construction générale à partir d'une théorie régulière. Hein, donc j'avais déjà donné la définition la dernière fois, mais on peut la répéter. Hein, donc on se donne C, une catégorie régulière, et on lui associe son effectivisation. Donc les objets de CF, c'est les paires
Donc, que je, donc, XE avec X qui est un objet de C et E qui est une relation d'équivalence dans X, c'est-à-dire un sous-objet. Donc E est plongé dans X fois X et vérifie un certain nombre d'axiomes. Donc ça, c'est les objets. Et ensuite, les morphismes. Si on a un objet XE et un objet Y YF, les objets consistent en des relations, c'est-à-dire des sous-objets de X fois Y, qui vérifient un certain nombre d'axiomes que j'avais donné la dernière fois. Bon, et là, vous avez une proposition générale, comme quoi, si C est régulière, alors son effectivisation est régulière, plus effective, hein, elle a gagné une propriété, donc effective, ça signifie toute relation d'équivalence à un quotient. Donc c'est une construction complètement générale de théorie des catégories. Associée est effective, c'est-à-dire que le quotient au sens catégorique. Oui. Oui. Est-ce que ça implique que la relation est le produit fibré de X? Donc si vous avez une relation avec l'équivalence. Oui. Oui, oui, ça. Parce qu'il y a une distinction entre le quotient et le quotient effectif, c'est-à-dire oui, que. Je pense que c'est quotient effectif. Et c'est en partie de la définition d'effectif ou... Moi je suis d'accord avec vous. C'est pas comme ça. C'est des conséquences d'être jamais. D'être régulier, ouais. Quoi? Oui. C'est une conséquence d'être régulier. S'il est... S'il y a une relation d'équivalence entre... Oui, bon, je garantis pas de manière absolue, mais il me semble que c'est le cas. Hein. C'est-à-dire que le quotient est effectif. Et c'est automatique oui. La catégorie. À partir du moment où on est parti d'une catégorie régulière. Bon, on vérifiera. Moi, je pense que c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est la première propriété. Puis la deuxième propriété, c'est que bien sûr le procédé d'effectivisation est universel. C'est-à-dire que si vous avez un morphisme de C vers C', donc ça, c'est vous supposez que c'est une catégorie effective régulière, alors vous allez pouvoir factoriser de manière canonique de cette manière-là. Encore la définition de catégorie effective, parce que il y a plusieurs choses de façons de formuler les choses. Et, par exemple, s'il y a une relation d'équivalence à R sur X, on voit qu'il y a un quotient catégorique. Après, on peut demander si l'image de X dans le quotient est Y. Donc, on peut se demander si R, c'est le produit fibré. Oui. Je pense que tout ça est vrai. Donc, donc tout ça, c'est à partir de la définition d'effectif où on demande... Et ici, on le prend en ce sens-là. C'est-à-dire, le théorème, c'est que si on part d'une catégorie régulière, qu'on définit sa catégorie effective... de cette manière-là, alors elle vérifie toutes ses propriétés. Et le morphisme, c'est universel pour les flèches oui. Entre dans les catégories de catégories effectives. Oui. Oui. Quelles sont les flèches? Les flèches sont des flèches régulières oui. Qui préservent les quotients ou c'est... Oui, donc là, vous vous donnez ce functeur-là, c'est simplement un functeur régulier. Hein, et donc ici, vous avez le functeur canonique.
Et là, vous demandez à ce functeur d'être régulier et de préserver aussi les quotients. Donc, ce n'est pas automatique qu'un functeur régulier entre des catégories effectives préserve les quotients. Peut-être oui, parce que ça préserve les images, ça préserve... Ça préserve les images. Bon, donc ça, c'est le résultat général. Et puis ici, quand vous appliquez ça à la catégorie syntactique régulière de notre théorie particulière, donc cette théorie syntactique régulière, elle était déjà additive et R-linéaire. Donc son effectivisation, hein, donc c'est un corollaire. Si vous avez un flèche qui est, encore ce paquet, si vous avez un flèche qui est subjectif au sens que l'image est vraie, est-ce que les quotients de x par les relations d'équivalence x fois x sur y et y. Je pense. Et ça, c'est une conséquence d'effective ou encore c'est une des actions d'effective. Conséquence de. Non, le. Conséquence de régulier. Encore une fois, dans la définition de catégorie effective, on met que c'est régulier. Catégorie effective, donc il s'agit de catégorie régulière effective. Écoutez, on en parlera après, ou envoyez un mot à Olivia, mais moi je ne suis pas... ouais, je pense, si vous regardez le texte de l'article, je pense que ça devrait être écrit clairement. Hein. Voilà. Moi, je pense que, encore une fois, si on part d'une catégorie régulière, je pense que tout ce à quoi on s'attend est vérifié. Hein? Voilà, donc ici, le corollaire qu'on a, c'est que... donc, on était parti de notre catégorie CTREG, et on l'effective, donc on obtient cette catégorie CT qui automatiquement est abélienne et R-linéaire et qui en plus vérifie la propriété universelle qu'on a dite. Donc rappelez-vous que tout à l'heure, on avait déjà construit un morphisme qui allait de CT régulier dans R-mode. Hein, simplement à travers la représentation T. Bon, et donc là, vous pouvez factoriser à travers l'effectivisation. Et vous savez déjà que ce functeur-là est régulier, exact, R-linéaire, additif, bien sûr. Voilà. Hein, vous avez cette factorisation. Pour démontrer la première assertion du théorème, la seule chose qui vous manque, c'est la fidélité du functeur. Et donc ça, pourquoi est-ce que ce functeur est fidèle? Eh bien, parce que... Alors, disons ici, il y a... d'abord, la première chose, c'est que pour démontrer qu'il est fidèle, il suffit qu'il soit conservatif au sens suivant. Ça veut dire que si on a un monomorphisme ici, dans cette catégorie, tel que son image est un isomorphisme, alors ce monomorphisme est un isomorphisme. Il nous suffit de démontrer ça pour avoir la fidélité. D'accord ? Le fait que ce functeur est conservatif au sens que je viens de dire. Alors, pour démontrer ça, la première chose, c'est que vous avez une proposition générale de théorie des catégories. Supposez que vous ayez donc, le triangle comme ça. Donc ça, c'est une catégorie régulière. Et celle-là est régulière effective. Et donc, vous vous demandez si ce functeur-là est conservatif, au sens que j'ai dit. C'est-à-dire,
est-ce qu'il est vrai que chaque fois que l'image d'un monomorphisme est un isomorphisme, alors c'est un isomorphisme. Et donc, le lemme général qu'on a, c'est que pour que ceci soit conservatif, il suffit que ceci soit conservatif. Donc, c'est voilà, lemme général de théorie des catégories. Mais alors maintenant, notre C, c'est quoi? C'est la catégorie syntactique régulière. Conservatif au sens que je veux que chaque fois qu'un monomorphisme a pour image un isomorphisme, alors c'est un isomorphisme. Est-ce que ça implique conservatif au sens que... Oui, parce que là, on est avec des théories, des catégories régulières. Donc... Donc, encore une propriété. Oui, oui. Donc, il nous reste à démontrer que le functeur qui va de CTREG dans R-mode, qui est simplement défini par T pour la représentation T de départ, il nous reste à démontrer que ce functeur est conservatif. Autrement dit, c'est les donc... alors ici, les monomorphismes, c'est quoi? On a deux sous-objets emboîtés l'un dans l'autre, et on s'interroge sur les relations, sur les conditions d'égalité entre deux sous-objets. Bon, mais ici, on est avec la catégorie syntactique régulière. Et donc, les sous-objets, c'est simplement des formules. Donc, l'égalité des sous-objets, c'est le fait que les formules soient équivalentes. Et donc là, ce qu'on utilise, c'est le fait que la théorie T est la théorie de la représentation T. Le fait d'avoir défini la théorie T comme la théorie régulière de la représentation T, c'est ça qui nous dit que ce functeur est conservatif. Et donc, celui par lequel ici on a factorisé est non seulement régulier, exact, R linéaire, mais qu'en plus il est fidèle. Exact, c'est difficile à voir exact. Non, parce que là c'est simplement le fait que ce functeur est à la fois régulier et effectif. Il préserve à la fois les produits fibrés et les quotients. Ce type de raisonnement, ça paraît s'appliquer à bien d'autres choses que les R-modules. Oui. Oui, sauf que vous voyez, donc le point, c'est de... voyez, c'est-à-dire, vous voulez... Votre functeur de départ, c'est-à-dire votre représentation de départ, il faut pouvoir l'interpréter comme un modèle. Voilà. Mais sinon, ça n'utilise pas le fait que c'est des R-modules particuliers. Je veux dire, par exemple, si c'était, si on prenait un semi-anneau, un semi-module, etc., ça a l'air... Non, mais attention quand même, parce que, vous voyez, la structure de R-module, elle est donnée simplement par l'addition, la multiplication par les scalaires. Et ça, on l'a mis dans la signature. Oui, mais ça s'appliquerait à ce que je dis aussi. Disons, si on prend non plus la catégorie des R-modules, mais une autre catégorie plus compliquée, le problème, ça va être la définition de la bonne signature, à partir de cette catégorie d'arrivée. Voilà. Ah, je ne dis pas que c'est infaisable, simplement, il faut réfléchir un peu. Hein. Voilà. Donc ici, on a la factorisation. Et maintenant, il y a le fait que cette catégorie est universelle pour cette factorisation, donc c'est pour cette propriété de factorisation, donc c'est le point 2. Évidemment, ce à quoi vous allez vous ramener, c'est le fait que la catégorie syntactique régulière représente le functeur des modèles. C'est-à-dire, si vous vous donnez une autre factorisation, donc D... à travers une autre catégorie C, puis ici R-module. Hein, donc ici, vous supposez que vous avez un functeur qui est R linéaire, exact et fidèle. On a besoin de fidèle. Encore. On a besoin de fidèle, absolument. Et pourquoi? Parce que fidèle, ça nous permet de dire que ce functeur-là, vous pouvez l'interpréter comme un modèle de la théorie T dans la catégorie C. Et c'est à cause de la fidélité du functeur. C'est-à-dire ce functeur-là, ce functeur-ci,
définit un modèle de la catégorie TT dans C. TT dans C. Non, c'est peut-être le fonctionnement d'Evers, non. Le fonctionnement, maintenant je suis complètement... Donc un modèle, c'est simplement d'abord une sigma structure. Donc là, il n'y a pas de problème pour définir la sigma structure, parce que à chaque objet de grand D, vous associez un objet de C. À chaque flèche de grand D, vous associez une flèche de C. Vous avez aussi des flèches qui correspondent à l'addition, à la multiplication par les scalaires. Donc il n'y a pas de problème pour définir une sigma structure. Le problème, c'est de vérifier que cette sigma structure est un modèle de la théorie. Autrement dit, que les axiomes de la théorie sont vérifiés. Les axiomes de la théorie, c'est les séquents tels que les sous-objets associés vérifient les bonnes relations d'inclusion. Mais là, donc ces relations d'inclusion entre sous-objets, il faut les vérifier dans C. Mais comme le foncteur ici est exact et fidèle, pour vérifier les relations d'inclusion dans C, il suffit de les vérifier par composition avec ce foncteur. Et là, par composition, vous vous retrouvez avec T. Donc, en un sens, c'est complètement tautologique. Hein, donc, à partir du moment où vous savez que ce foncteur, vous le réinterprétez comme un modèle de la catégorie TT dans C, eh bien, d'après l'universalité de la catégorie syntactique, vous avez un foncteur canonique de la catégorie syntactique dans C. Et ensuite, à partir du moment où vous avez un foncteur qui donc va être exact, régulier, un foncteur qui va être régulier de la catégorie syntactique régulière dans C, vous avez un foncteur induit de l'effectivisation, c'est-à-dire de CT dans C, qui transforme le modèle universel de la catégorie régulière en votre foncteur réinterprété comme un modèle. Donc, en fait, Laurent, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure sur les catégories abéliennes, parce que, en fait, c'est un truc beaucoup plus général. Il suffit d'avoir une théorie qui est présentée de manière convenable. Ça marche. Pour que quoi marche? Parce que le résultat qui est annoncé. Par exemple, moi, je pense à des catégories qui ne sont pas des catégories de modules sur un anneau, mais qui sont des catégories de modules sur un semi-anneau. Je ne vois pas où ça pourrait parler. Oui, oui. Non, mais là, on voit bien sur la construction qu'elle a une généralité encore plus grande. Oui, tout à fait. Hein. De toute façon, l'ingrédient principal, on le voit, c'est-à-dire il faut définir d'abord une théorie, et puis ensuite, une fois qu'on a la théorie, il y a cette construction d'une généralité extraordinaire qui est la construction des catégories syntactiques régulières, et tout se déroule... Mais le point, c'est vraiment de pouvoir interpréter les foncteurs comme des modèles d'une théorie. Pour préciser la même question, donc, si tu pars, tu te donnes deux catégories, une dont tu penses comme D, et l'autre, donc, c'est la source, le but. La source n'est pas de ta structure, mais le but, c'est une catégorie abélienne, tu donnes un foncteur. Est-ce que en cette généralité, tu peux montrer le même théorème? Parce que il me semble que tu les as rien, en fait. Il y a un de spécial sur les... Moi, je pense, encore une fois, je dis quand même, c'est-à-dire ce qui définit la structure de R module, donc c'est simplement l'addition, la multiplication par les scalaires. Et ceci est mis dans la signature de la théorie. Donc si on veut des théories plus générales que la catégorie des R modules, il faut quand même que tout ce qui définit cette catégorie rentre dans la définition de la théorie via la signature. On peut le faire. Mais donc, c'est complètement général. Je pense que c'est... Oui. Voilà, donc le dernier point sur lequel je veux dire donc très rapidement, c'est la linéa 4, autrement dit la démonstration du théorème 11. Alors d'abord, la première remarque, c'est que la dernière fois, j'avais énoncé la première partie de ce théorème d'une manière ambiguë. Offert avait réagi, et en fait il avait raison, et j'avais mal répondu à sa question. En fait, pour lever toute ambiguïté, on prend deux représentations de deux carquois différents,
à valeur dans les R modules et les R prime modules avec R et R prime pas nécessairement égaux. Hein? Donc, d'après la construction précédente, on a deux catégories associées, CT et CT prime. Ça, c'est une catégorie abélienne R linéaire. Ça, c'est une catégorie abélienne R prime linéaire. Et évidemment, comme R et R prime sont différents, ça n'a pas de sens de préserver la structure linéaire. En revanche, donc, ça a un sens de préserver la structure de catégorie. Et si on préserve la structure de catégorie, on préserve automatiquement la structure de catégorie abélienne. Ça, c'est une remarque qui en fait est bonne à savoir. C'est que le fait pour une catégorie d'être abélienne n'est pas une structure supplémentaire. C'est une propriété de la catégorie. Hein? Donc si deux catégories abéliennes sont équivalentes en tant que catégorie, automatiquement, elles sont équivalentes en tant que catégorie abélienne. Hein? Donc là, l'énoncé, c'est que ces deux catégories sont équivalentes en tant que catégorie abélienne, si et seulement si les topos classifiants des deux théories sont équivalents. On dit que les deux théories sont équivalentes au sens de Morita. Et donc le deuxième énoncé, c'est cette fois on prend le même anneau, R égale R', le même carquois, D égale D'. Donc on a deux représentations différentes avec deux catégories différentes associées, donc CT et CT', avec deux représentations de D, et on se demande quand est-ce que ces deux structures sont équivalentes. Hein, donc on cherche une équivalence de CT vers CT', qui transforme cette représentation en celle-là et qui préserve les structures R linéaires. Et donc l'énoncé, c'est que l'existence d'une telle équivalence est équivalente à l'identité des deux théories. L'équivalence est alors unique, essentiellement ? Oui. Et dans la première partie, est-ce qu'on peut dire que l'équivalence entre cette et cette prime correspond à l'équivalence de topos au sens de... Oui. On va voir ça tout de suite. Donc je vais le dire très rapidement. Hein, donc il y a deux énoncés à démontrer. D'abord, vous supposez que CT est équivalent à CT prime. Alors, CT et CT prime, c'est des effectivisations de théories de catégories régulières. En particulier, c'est des catégories régulières. Et dans une catégorie régulière, il y a toujours une topologie de Grothendieck canonique qui consiste à dire qu'une famille est couvrante si et seulement si l'une des flèches est couvrante. Et dire qu'une flèche est couvrante, c'est dire que son image est égale à tout. Je rappelle que dans les catégories régulières, toute flèche a une image. Donc, par définition, on dit qu'une flèche est couvrante quand son image est tout. Bon, et maintenant, je dis qu'un crible est couvrant quand l'une au moins des flèches qui composent ce crible et couvrante. Tout ça, c'est des définitions. Ça définit une topologie au sens de Grothendieck, qu'on appelle la topologie régulière de la catégorie. Alors maintenant, rappelez-vous que ces deux catégories, elles ont été formées à partir des catégories syntactiques régulières. Alors la topologie sur la catégorie syntactique régulière, c'est celle qu'on a définie tout à l'heure. Hein, puis à côté de ça, il y a la catégorie CT, qui est son effectivisation, muni de sa topologie régulière canonique. Et alors ici, vous avez un théorème, qui est un théorème général de théorie des catégories. Si C est une catégorie régulière, muni de sa topologie régulière J-reg, et puis ici, vous avez son effectivisation muni de la même topologie, alors les deux topos associés sont équivalents. Donc si vous appliquez ça à ce qui précède, vous avez que les deux topos ici, associés à ces deux catégories munies de ces deux topologies, sont équivalents. Donc supposez maintenant que vous ayez CT équivalent à CT'. Vous remarquez que la définition de la topologie régulière sur CT, elle est purement catégorique. Donc nécessairement, non seulement CT est équivalent à CT', mais elles sont équivalentes avec leur topologie. Donc les catégories de faisceaux sont associées, et c'est les mêmes que les catégories de faisceaux sur la catégorie syntactique régulière. Et ça, par définition, c'est le topos classifiant, dont on a dit que c'est le même que le topos classifiant tout court. Donc ça démontre les choses dans un sens. Si CT et CT' sont équivalents, alors les topos classifiants associés sont équivalents. Alors réciproquement,
Réciproquement, vous avez la chose suivante. Vous avez CT, qui bien sûr s'envoie dans ET reg, hein, via le foncteur de Yoneda, composé avec le foncteur de faisceautisation. Tout à l'heure, il y a une question qui m'a été posée, là, à laquelle j'ai répondu, mais je rappelle la réponse, c'est que ce foncteur, en fait, identifie CT à une sous-catégorie pleine. Autrement dit, on dit que la topologie est sous-canonique. Hein? Donc on a, voilà, ceci est une sous-catégorie pleine de ça, et puis on a l'effectivisation, avec une factorisation, puisque ceci est une catégorie effective. C'est un topos, c'est une catégorie effective. Sous-canonique, ça veut dire que tu n'as pas besoin de faisceautiser. Oui, exactement. C'est équivalent, oui. C'est équivalent à dire qu'il n'y a pas besoin de faisceautiser. Autrement dit que le préfaisceau est déjà un faisceau pour cette topologie, qui est la topologie régulière. Donc on a cette effectivisation, et là aussi, en fait, la catégorie effectivisée, elle aussi est une sous-catégorie pleine de ça. Et ici, donc, il y a un théorème général qui dit que ceci, c'est équivalent à la sous-catégorie pleine du topos constitué des objets supercohérents. Bon, alors, je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer ce que c'est qu'objet supercohérent. Ça sera dans les notes écrites. Et de toute façon, peu importe. L'important, c'est que la catégorie effective, l'effectivisation, on peut la retrouver dans le topos associé, comme on peut la retrouver dans le topos associé comme sous-catégorie sur former des objets. Qui vérifie une certaine propriété. Et qui en fait, est, évidemment, c'est une propriété d'objet du topos, donc c'est une propriété définie en termes catégoriques. Donc si maintenant vous avez ET équivalent à ET', bah, cette équivalence nécessairement préserve les objets supercohérents. Donc elle induit une équivalence entre les catégories. Entre les sous-catégories pleines sur ces sous-objets. Et donc, il y a une équivalence induite qui va de CT dans CT'. Puisque CT et CT' sont définis comme les effectivisations des catégories. Donc avant, c'était CTEG. Voilà, c'était comme ça. Voilà. Hein, donc c'est l'équivalence dans l'autre sens. Donc ici, on a achevé de démontrer 1. Pour 2, bon, bien sûr que si les deux théories sont les mêmes, évidemment que les catégories CT et CT' associées sont les mêmes, puisqu'elles sont associées, elles sont construites à partir de ces théories. Donc ça, c'est évident. Maintenant, supposer que les catégories soient les mêmes, donc ça veut dire que vous avez D... CT, et puis les deux foncteurs, hein, ici vous avez T, là vous avez T', et ici les deux foncteurs dans les R modules. Et ces deux foncteurs-là, celui-ci et celui-là, sont tous les deux exacts et fidèles. Et vous voulez en déduire que les deux théories sont les mêmes. Alors les théories, ces deux théories régulières dans le même langage, donc il faut regarder les sécants réguliers, considérer deux formules régulières, et vous voulez savoir si l'une implique l'autre. Mais ces deux formules définissent ici, via T et T', elles définissent des paires de sous-objets ici et là. Et donc ce qu'on veut savoir, c'est que le premier sous-objet est inclus ici dans le deuxième, si et seulement si le premier sous-objet ici est inclus ici dans le deuxième. C'est ça qu'on veut vérifier. Mais ici, on a des foncteurs exacts et fidèles à partir de la même catégorie. Donc la condition d'inclusion entre sous-objets, on la lit là, pour l'un et pour l'autre. Et c'est terminé.
Hein, donc encore une fois, on utilise le fait que cette condition exacte et fidèle, elle est retraduite en termes de modèle de la théorie. Et avec le modèle qu'on considère ici, ce n'est pas un modèle quelconque. Parce que la théorie est définie comme la théorie du modèle. La théorie, par définition, c'est tous les axiomes vérifiés par le modèle. Voilà. Vous voyez que la démonstration de ces deux théorèmes, quand on connaît la théorie des topos classifiants, elle se déroule vraiment de manière presque automatique. Une remarque qu'on peut faire, c'est que j'ai dit quand on connaît la théorie des topos classifiants. Mais en fait, il ne suffit pas seulement de connaître la théorie, c'est-à-dire qu'il faut savoir. Ici, on voit vraiment que le plus important, c'est même pas la notion de topos classifiant, c'est la manière dont c'est construit. Vous voyez, ce dont on s'est le plus servi, c'est la notion de catégorie syntactique. Est-ce qu'on utilise ici à faire les conjonctions et disjonctions éventuellement infinitaires ou pas? Est-ce que. Ici, non, parce que on est entièrement avec des théories régulières, donc il n'y a aucune disjonction. En revanche, on autorise des conjonctions finitaires, qui consistent à prendre des intersections. Quand vous avez donné le préliminaire avec le choix d'infinitaire, est-ce que c'est important pour la suite ou... Disons pour tout ça, non. Ensuite, la prochaine fois, j'essaierai d'expliquer d'introduire l'article programmatique d'Olivia qui s'appelle Topos Motivic. Et là, c'est important de considérer aussi, de s'intéresser aussi à des disjonctions, même possiblement infinitaires. Oui. Donc, j'ai terminé avec ce résultat. Et la prochaine fois, ce que je veux faire, c'est, comme j'ai indiqué ici, présenter quelques questions, plus exactement deux séries de questions. C'est-à-dire, d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire la question que ça pose pour la cohomologie motivique et la catégorie triangulée de Voïvodski. C'est-à-dire les foncteurs de cohomologie motivique, au sens des groupes de choses supérieurs de Bloch, d'après ce résultat extrêmement général, définissent une catégorie abélienne, de manière canonique. Et par ailleurs, vous savez que Voïvodski et d'autres ont construit, non pas une catégorie des motifs mixtes, mais une catégorie triangulée des motifs mixtes, dont on voudrait montrer, c'est une conjecture de travail, que cette catégorie peut s'écrire comme la catégorie dérivée d'une certaine catégorie abélienne. Et donc, ce travail, en fait, permet de... Enfin, de manière purement formelle, on va avoir un foncteur qui va de un foncteur de catégorie triangulée qui va de la catégorie triangulée de Voïvodski vers la catégorie dérivée d'une certaine catégorie abélienne. Et donc, la question est posée de savoir si c'est une équivalence. Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est... d'essayer d'aller dans la direction d'un topos motivique, parce que vous voyez, finalement ici, ce qui est démontré, c'est que les motifs mixtes au sens habituel, c'est-à-dire une catégorie qui justement permet de factoriser tous les foncteurs cohomologiques, existent si et seulement si tous les foncteurs habituels auxquels on pense, LADIC, PADIC, etc., tous ont la même théorie régulière associée. C'est équivalent. Et donc, la question qui est posée, c'est est-ce qu'ils ont la même théorie régulière associée? Comment est-ce qu'on pourrait rêver de démontrer ça? Hein? Et donc, Olivia a posé un cadre est un cadre pour essayer de penser cette question. Hein? Donc j'expliquerai ça la prochaine fois, mais c'est des choses qui sont beaucoup plus sophistiquées, et puis actuellement c'est vraiment un travail en cours dont on ne sait pas s'il aboutira ou non. Voilà, mais je voudrais expliquer, en tout cas comment, c'est-à-dire pour cette partie-là, donc là la notion de topos deviendra vraiment centrale,
Et j'expliquerai comment justement la considération des topos conduit à des questions, en particulier sur les functeurs cohomologiques. C'est-à-dire, bon, par exemple, de ces considérations-là, disons, il y a une certaine question, qui est une question générale sur les functeurs cohomologiques, qui se retrouve posée par, en quelque sorte, la philosophie des topos. Et je voudrais expliquer cette question, qui est une question dans laquelle les topos n'apparaissent pas. Hein, c'est, cette question, c'est est-ce que les functeurs cohomologiques auxquels on est habitué vérifient une certaine propriété qui, en fait, est un renforcement des propriétés d'exactitude habituelles. Vous savez qu'on est les functeurs cohomologiques vérifient les fameuses suites exactes longues, etc. Il y en a plein. Bon. Le cadre de topos qu'on met là-dedans amène à un moment à se poser cette question. Donc, pour le moment, Olivia ne sait pas répondre, hein, mais en tout cas, la question est posée. Peut-être que Gaber dira non, ça ne peut pas être vrai, parce que... Donc, dans ce cas-là... Est-ce qu'ici, dans la catégorie dérivée de catégorie abélienne, est-ce qu'il y a des conditions de finitude comme catégorie dérivée de Bornet? Oui, Bornet. Et donc, on prend les motifs de Voevodsky avec des conditions de finitude. J'expliquerai la fois prochaine le cadre précis. Hein, au moins, on peut vraiment la première partie, ça sera vraiment très, très, très précis. La deuxième partie, j'introduirai un certain nombre de notions et il s'agira en quelque sorte de les situer les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire de dessiner un cadre général. Définir la propriété d'exactitude plus générale que vous voulez pour le facteur cohomologique. Oui, plus fort. Et quelque chose qui ne peut absolument pas être deviné intuitivement. C'est vraiment un calcul sur les topos qui donne ça. Voilà.